Allô! Petit reniflement réglementaire, bien sûr, pour vous réveiller. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour! Alors, aujourd'hui, journée incroyable. Une journée complètement folle à racheter au taquet. D'ailleurs, comment ça qu'on voit plus Attention, l'air barrage de tout son? arrive. I don't know. Mais il y a le son, c'est ce qui compte. Salut Dompteur, salut RH2, salut Natel! Alors aujourd'hui on va jouer à vos jeux, hein, vous le savez, depuis le temps que je vous bassine les oreilles avec ça. Nous allons jouer toute la journée au jeu que vous avez suggéré. Je sais même pas si on arrivera à tout faire aujourd'hui en fait, tellement qu'il y en a, tellement que c'est la folie. Hein. En fait ça va, il y en a 5. En fait tout va dépendre de... Sur cette scène tu le vois pas, mais normalement ce qui est... Bah tiens regarde, je peux te montrer les dessous du streaming, hein, mon cher RH2. Ça devrait, parce que regarde... Bon, je sais pas si tu connais un petit peu comment fonctionne OBS, mais... Ah mais non, mais je peux pas te montrer, parce qu'en fait, c'est sur la scène en question. Mais en fait... je peux pas te montrer, du coup. Mais les sons sont bien en haut, en termes d'affichage, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bizarre, du coup. C'est bizarre. Salut Ikev! Salut Ikev! Du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pourrais sûrement regarder ça. Mais c'est pas trop grave. L'essentiel c'est que le son passe après tout, parce que si je pourrais même enlever l'alerte, au final ce serait même pas plus mal vu que la gueule qu'elles ont. Ou alors si je pourrais au moins la personnaliser, ça serait cool. Donc ouais, du coup aujourd'hui, alors j'ai mis mon ventilateur. J'ai mis mon ventilateur, donc si jamais vous entendez des bruits chelous, vous me le dites. Ça va très bien Ikev, moi petit café, on se réveille, enfin ça fait une heure que je suis réveillé, mais tranquillou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ikef, ça pourrait t'intéresser. J'ai vu. Je sais pas si tu as vu Yoshi qui a testé la technologie RTX pour la suppression de bruit. Est-ce que ça te parle? Alors, c'est pas une OPSP, mais j'ai un truc à vous dire. Salut Aza. Comment vas-tu, monsieur Aza? Aza, le spoiler, j'ai envie de dire. Hein. T'as pas test. J'ai vu Yoshi qui a testé ça sur. Sur son stream, c'est insane. Hein. Il avait un bruit de clim horrible derrière. Il a activé le truc. Pouf, il n'y a plus rien. Ça supprime tous les bruits de ses morts. C'est insane. Hein. C'est vraiment trop fort, quoi. C'est du machine learning. C'est vraiment abusé, quoi. Du coup, hier, j'ai regardé et ça me brûle les doigts de prendre une 2080 pour. Et en plus, la puce d'encodage est meilleure, donc le stream serait plus joli, quoi. Donc cette technologie-là m'intéresse beaucoup pour le stream, même si je pense qu'au niveau audio, mon stream est assez carré. C'est quand même un plus, quoi. Donc ouais, donc aujourd'hui, vos jeux. Et donc demain, on avait dit qu'on ferait du Prison Architect. On le fera sûrement demain après-midi. Et demain matin, j'ai eu une clé des développeurs. Vous savez, on avait vu le jeu... le cartel drogue machin là, le jeu qui ressemblait à Tropico version cartel de la drogue, une gestion de ville en mode t'es un baron de la drogue avec de l'argent sale et tout. Donc j'ai contacté les devs et ils m'ont filé une clé. Donc là en fait je vais avoir une clé démo et j'aurai une clé release quand le jeu sortira plus tard, later this year. Donc demain ça sera ce jeu-là le matin, je pense, vu que le stream va être plus court, vu que c'est qu'une démo. Et après, donc, Prison Architect. Et aujourd'hui, donc, le jeu... les jeux de vos choix. Alors, j'ai fait ça bien, hein. J'ai fait ça bien, en tout cas pour mon propre arrangement. On a 5 jeux à découvrir. On va les découvrir dans l'ordre. Parce que, voilà. Parce qu'on aime bien les choses qui sont bien faites ici. Alors, si on retourne dans mes demandes de doudou flouze, en fait, j'aimerais bien finir mon café avant de commencer. Peut-être que je commence à le boire, en fait. Ce petit café du cul. Petit café italien long et intense. Comme moi, je suis long et intense. Mais ouais, en tout cas, ça donne envie, cette histoire de son RTX, là. C'est une technologie vraiment, vraiment sympa, quoi. Clairement. Alors, je me posais une question pour les mercredis découvertes. Est-ce que je vous affiche à l'avance la liste de jeux qui va être streamée ou est-ce qu'on garde le suspense? Ça va, vous entendez pas trop le ventilo? Genre quand je parle, vous entendez pas un brrrr derrière? C'est ok? Gardez le suspense.
Ok. Vous l'entendez pas. Ok. Le ronron, ça va, ok. Après, niveau son, on n'a pas de soucis, nous. Ok, cool. Ok. Ok. Ouais, parce que je vous cache pas que comme grâce à mes chers voisins... En fait, c'est mes voisins qui devraient avoir une technologie RTX dans leurs oreilles pour ne pas m'entendre. Mais comme grâce à mes chers voisins, je suis enfermé dans cette pièce, hein, c'est une pièce fermée, hein, vous voyez, j'ai la porte ici, c'est ma chambre, hein, donc c'est une petite pièce, et la baie vitrée est là, et la pièce est toute petite. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du soleil qui tape, je suis exposé plein sud, ça va être l'été, Rémi, il transpire, hein. Donc j'ai mis mon petit ventilo. Ah, je suis mauvais. Voilà, il est là. Là. Mais comme avec toute cette Twitch monnaie, bien sûr, vous savez que moi je commande mon ventilateur avec, voilà, avec ma télécommande d'influenceur, évidemment. Tu as du retour des voisins d'ailleurs? Ouais, ils m'entendent quasiment pas. Ils m'entendent de temps en temps quand je hurle comme un âne, genre quand j'ai peur ou quoi, mais ils m'entendent quasiment plus, donc il est très content. Donc, certes, ce déplacement dans cette pièce va me coûter une keylight à 200 balles, me coûte de plus pouvoir jouer au PC le soir. Voilà. Mais au moins, je peux streamer en paix, et ça n'a pas de prix. Et salut Nope, et salut Zera Tio, et salut Tanukiwiz, le grand Tanuk, évidemment. Donc on est content. Bon bah j'ai le chat, mais plus assez de data pour la vidéo. Oh putain, terrible. 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 Bon messieurs, aujourd'hui donc, hein, je le répète pour Zeratios peut-être, qui est un peu nouveau sur le chat, hein, sur le stream. Aujourd'hui, mercredi découverte, comme tous les mercredis, je joue à vos jeux, et on va commencer, on va lancer le premier jeu. Ce premier jeu est, un jeu suggéré par Monsieur Biggie, qui est un roguelike spatial dogfight qui s'appelle Everspace. Donc c'est parti pour Everspace. Voilà, je termine le café. Je te jure, Azam. Et salut Karazu! Allez, on commence du coup par Everspace. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que je reste en Just Chatting ou est-ce que je mets la catégorie du jeu? Je ne sais pas, d'un point de vue streaming game, c'est pas clair. Dans tous les cas, mettons pause sur Céleste. Et donc le jeu en cours, ça sera donc... En fait, je vais même pas l'afficher là, parce qu'en fait, je suis en train de capter que je vais pas revenir sur cet écran. Donc, allons-y, lançons le jeu. Donc, Everspace, découverte proposée par Monsieur Biggie, que vous connaissez bien sur ce stream grâce à son humour éclatant. Let's go, let's go. Donc, je connais pas du tout. C'est sorti il y a un petit moment, ce jeu. Il y a le 2 qui est en préparation. Préparation de lancement de Everspace. C'est parti. Let's go. Je sais pas à quoi m'attendre, enfin si je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est un roguelike, dogfight, enfin un jeu de vaisseau, mais je sais pas exactement ce que ça donne. Par contre, le ventilo, ça va pas te rafraîchir, mais chauffer ta pièce. Non. Oh bah ça va brasser de l'air chaud, mais ça fait quand même des courants d'air. En fait, c'est pas un ventilateur normal, c'est un ventilateur humidificateur. Qui projette des microparticules d'eau, si tu veux tout savoir, mon cher Nope. Et le son est fort, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça devrait être mieux. C'est peut-être même trop. Ah, c'est peut-être moi qui suis trop fort en fait. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça chauffe un peu, mais comme je t'ai dit, c'est comme il envoie des projectiles, des particules d'eau, c'est quand même. C'est quand même un peu plus sympa. Est-ce que le son est ok? Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être ok. On va assumer que les contrôles sont en AZERTY et que tout va bien. On va assumer que tout est bon au niveau des options. Et on va lancer directement une nouvelle game. Même en 60p, je peux pas voir l'image. Putain, terrible quoi. Dites bonjour de ma part à Tanuki, hein, quand même. Hein. Pose la clim. Ah, putain, ouais, je serais chez moi, je l'aurais fait. Hein. Clairement. Du coup, Everspace, petit roguelike. Bah écoutez, on va lancer direct. Hein. Alors, chat, préférez-vous commencer le jeu à la première ou la troisième personne? Vous pouvez changer de caméra à tout moment au cours de partie.
Alors comme c'est un jeu arcade et tout, ça serait un jeu sim, je dirais première, mais comme c'est un jeu arcade, je dirais troisième. Axe vertical de la manette. Alors si vous jouez à la manette, je suis pas à la manette, donc ce jeu est conçu pour être joué au clavier et à la souris. Ok, parfait. Si vous jouez à la manette, souhaitez-vous inverser l'axe vertical? Attends, moi quand je vais vers le bas, je veux que ça monte, donc j'irai inverser. Ouais, on reste troisième pour les jeux d'arcade, hein, clairement. Something's not right with me. I'm having memory loops. La cutscene est très forte. There was a dispute. I was standing in the way of their plans. I was restrained. Shot with something. Who is this? Je sais que c'est fort, mais c'est la cutscene. C'est pour que vous soyez dans l'ambiance. I managed to escape. That's all I can remember. Merci connard du follow, hein. I must find some answers. Bon, il doit trouver des réponses, hein. Pourquoi c'était fort? On avait tout baissé, quoi. Oui, bonjour. Alors, Zed, ça fait de la caméra. Bienvenue, connard. Est-ce que c'est OK au niveau du son? Assistance? I suppose I could use some pointers. C'était bien en QWERTY. Alors, ZQSD pour me déplacer, la souris... Ok, ouais, ça se joue vraiment comme un rail shooter, mais c'est très stable. AED pour faire du strafe sur le côté, barre d'espace pour changer d'altitude pour monter. Ok, c'est un peu chelou du coup. Barre d'espace pour monter, contrôle gauche pour descendre et shift pour booster. Ok, donc c'est très très arcade, hein. Let's begin by shooting targets. Well, that seems easy enough. Alors j'espère que vous n'allez pas tous vomir, hein. Clic gauche pour tirer, jusque là c'est ok. De toute façon, ça se veut extrêmement arcade, hein. C'est un jeu, voilà, c'est un shooter, hein. Classico. La Sensi est un peu insane. First, use the pulse laser to deplete their shield. Sans biter de la souris, on va descendre un peu. Aim sur 20, bah ça, hein, voilà, j'ai une réputation à tenir. When the shields are down, use the Gatling gun to inflict greater hull damage. Okay, understood. Ok, donc quand le shield est down, donc choisissez l'arme principale suivante en appuyant sur 1. Maintenir 1 fera apparaître la roue de sélection. Votre laser à impulsion est puissant contre les boucliers et votre Gatling inflige des dégâts au coq. Alright. Alors la vraie question, c'est comment je sais quand l'ennemi... Ah ok, d'accord. Et donc là, je rappuie sur 1 et on passe. Ok. Après, voilà, ils sont petits, hein. Les ennemis sont petits, hein. Donc si je spam sur 1, ça va, c'est pas trop le gerbotron. Use missiles on the next targets. Set a target lock before shooting, so the missiles can home in. Appuyez sur clic droit. Utilisez clic droit de la souris pour tirer avec votre arme secondaire. Vous n'avez pour le moment qu'une seule arme secondaire, mais vous pouvez l'échanger avec deux. Ok. Feu! Ah, fallait peut-être le loquer, non? Ah oui. Vous pouvez aussi verrouiller les cibles en appuyant sur Action 3. Le fameux Action 3. Vous connaissez pas Action 3, chat? C'est quoi cette touche? Attends, c'est quoi Action 3? Parce que si je sais pas verrouiller les cibles, ça va pas le faire, hein. Au secours. Personnaliser les contrôles. Qu'est-ce que c'est que Action 3? C'est pas clair, hein. Molette, clic molette. C'était clic molette en effet. On voit les gens qui ont saigné le jeu. It appears as if you're ready for the next stage. I have created a jump target. Aim towards it and hold steady to leave the orbit. After each transit, your jump drive requires a cooling down phase. Alors je me demande c'est quoi les aspects roguelike du jeu du coup. Vu qu'on aille là-bas du coup. Parce que un roguelike, on est d'accord qu'on est censé mourir, recommencer et progresser. Enfin roguelite. Pas un roguelike. On est censé mourir et recommencer. Le jeu est joli en tout cas. Ah, Nope qui est en forme déjà. Ah, c'est un peu FTL ce jeu. C'est un peu FTL. Où on va? Difficulté. Bon, de toute façon, c'est difficulté moyenne sur les deux.
On va aller à gauche, hein, on sait que voilà. On est sur un stream orienté comme ça. Salut Smarties. Le relax, c'est pour l'emplacement des astéroïdes. Ah! As you can see from your fuel gauge, a substantial amount was consumed during transit. Joué beau, en tout cas. Aim to refill the jump drive completely. There is a mineable asteroid nearby. Shoot at it to extract fuel. Tirez sur l'astéroïde pour obtenir suffisamment de carburant pour remplir votre moteur de saut. On va tirer directement avec notre Gatling. Par contre, je sais pas c'est quoi la portée de mes armes. Et donc là, du coup, il y a du carburant. Suffit que je. Voilà, suffit d'être proche dessus. Ok. On va le bourrer, hein. Oula. C'était quoi ce son? RIP Ear User. That should do it. Remaining well provisioned is key to survival in the cluster. Before leaving the orbit, it is recommended you explore the location for resources. Dirigez-vous vers le champ de débris. Ok. En fait, ce que j'ai toujours un peu peur avec ces jeux-là, c'est que ça fout un peu la gerbe, tu vois. Mais comme c'est arcade et que... Enfin, je trouve que c'est ok à ce niveau-là. I have located a container at some distance. La caisse d'outils, oui. Tirez sur la caisse pour l'ouvrir. Ah, resources. Rayon laser. But you don't have a free slot to install it. Donc on doit remplacer. Échanger. Donc équiper, c'est ce qu'on a à gauche et à droite. D'épaisse sur la coque, beaucoup plus de dégâts. En fait, moins de boucliers, mais plus even, quoi. Et salut Demo Coco. Pour toi ou pour nous? Hein? On a échangé, en tout cas. Et ça, c'est bon. Ah oui, d'accord. There is an outlaw ship incoming. I would advise activating your weapon overdrive in order to prepare for the encounter. Ah ouais, ok, d'accord. Mais en vrai, j'aime bien la Gatling. Et du coup, j'ai des missiles infinis. Ah non, j'en ai 14. C'est la portée de mes armes en fait qui est pas claire. Resources are essential for crafting and upgrading your equipment. Ok, ok. It appears, ah, moi j'ai une petite caisse. J'en ai pas du tout sur ce jeu-là. Contrairement au jeu de l'autre fois. I suggest advancing to the next location. J'en ai pas du tout. En fait, comme la caméra est assez reculée, c'est plutôt good. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, faut que je me barre, ok. C'est le tuto là. Yes, yes, nope. Après, c'est le tuto, nope, hein, t'inquiète pas. Nope qui est déjà dans le mid-maxing. Alors, on doit jouer au jeu 2 heures maximum, hein, sinon, voilà, ça va me coûter 800 000 euros cette journée. On a commencé le jeu à quelle heure? À 9h15, on va dire à 11h15 maximum on arrête le jeu. Après je sais pas si on va faire 2 heures sur chaque jeu. Une fois qu'on aura vu ce que le jeu propose, on skippera sûrement au next game. Je vous rappelle qu'on a, on a beaucoup de jeux à regarder aujourd'hui. Alors où on va du coup? Les deux sont moyens, donc on va continuer là-haut. Hein. Mais pour l'instant j'aime bien, c'est beau avoir le vrai gameplay. Enfin, encore une vraie mission, quoi. On fait le tuto, parce que bon, sinon on est perdu sur ce genre de jeu. Alors, si on fait tab... Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir, la portée de mes armes. 1600 mètres et 1200, donc mes lasers, c'est 1600 mètres. Énergie. Accélérer, tirer avec les armes principales et utiliser des outils consomment de l'énergie. Surveillez la barre d'énergie située en dessous du réticule. Le réticule. Il est conseillé d'attendre qu'elle se recharge avant d'entamer un nouveau combat. Oui. Outlaws. Independent operators with varying affiliations. Là, je peux déjà le toucher, le gars. En effet. Alors, le seul truc qui est chelou, c'est que les déplacements vers le bas et vers le haut, c'est avec espace et contrôle. Je suis pas habitué dans ce genre de jeu. Ah oui, un bar d'énergie qui est en PLS. En attendant, on peut passer en mode esquive. Ah mais non, mais je suis con, on peut balancer un missile. Petit missile. Result. Je sais même pas où est ma barre de vie en fait. Ah, c'est la barre en haut à gauche. Ok, j'ai mon shield. Ok, je viens de capter, c'est bon. Incroyable, Tanuki. Regardez cette dedication de la part de Tanuki, hein. Même sans image, il est sur le stream. Et ça, c'est beau. Alright. Et donc le dernier tuto, je suppose.
Alors c'est quoi en bas? Nanobots, cellules d'énergie, bon plein de choses hein. Ouais du coup ils ont sneak, j'ai partagé hier l'info sur le Discord, mais c'est Twitch qui a ninja nerf les points de chaîne sans rien demander à personne quoi. Et les gens ils sont ultra vénères. Et ce que je comprends parce que en fait genre t'es obligé de changer toutes tes modifs et tout, enfin c'est trop casse-couille quoi. Atteindre le secteur suivant, vous avez atteint la dernière zone de ce secteur. Utilisez le portail pour aller au secteur suivant. Ce saut ne nécessite aucun carburant. Jump gates are the primary method of travel between systems. These were built by Greedy and Brunt prospects for their mining drones. Ouais, Dompteur, mais en fait j'ai réduit le coût du coup de certains trucs. Okay, et que le VIP que j'ai pas bougé. Parce que c'est de la merde quoi, enfin, c'est vraiment pourri quoi. Mais du coup faudrait que je baisse le VIP. So, yes. Faudrait que je le mette genre à 120k ou un truc comme ça. Au lieu de 150. Pour que ça revienne au même. Est-ce qu'on a des trucs à fouiller ici? Carburant. Alors attends, elle est où ma jauge de carburant? Parce qu'on a 1 sur 20 là-haut. Carburant 4, on en a 4, mais je sais pas où c'est affiché sur l'écran. Whatever, j'ai envie de dire. Go faire la première vraie game. Carburant en haut à droite. Tout en haut là, c'est 57, c'est ça? Attends, mais t'as quand même le son, what the fuck? Comment tu peux participer à la conversation, Planon? Strange. Fragments of memories. Trying to make sense of them. I had managed to escape. I was weak and ill. My cells were deteriorating. A deadly poison. A cytotoxin. Ah, mais je sais pas pourquoi les cutscenes sont ultra forts par rapport au reste du jeu. Slow. Relentless, eating me away. Ouais bon voilà quoi, en gros on meurt quoi. Après j'ai envie de dire on s'en fout de l'histoire, c'est un roguelike, voilà quoi. Est-ce que je commence la vraie game? C'est ça la question. Le commencement, succès. Dying. This must be a memory from your original. Apparently a flaw in the transference protocol. The Eterna system was meant to filter such personal recollections. Allô? Wait, what are you saying? My original? I'm a... A clone. Yes. Ah bah c'est un clone, bah voilà, la guerre des clones. J'ai envie de savoir ce jeu. The function of Eterna was to pass on operational skills. Il éternue en plein live, ça tourne mal. But it seems that something has gone wrong here. Ah t'es que le ventilo, c'était une mauvaise idée en fait. This is a lot to take on board all at once. Why is this happening? Voilà. Who am I? Who is my original? I have no information on that. Perhaps there is a purpose to this aberration which will become clear upon reaching the coordinates. Attends, mais genre c'est un jeu à histoire? Je pensais que c'était un jeu en mode pif du cul roguelike. Vas-y, moi je vais me battre. Contre des drones. Comment un drone peut être hors la loi, on ne sait pas. Ok. Des petits composites. Et je suppose qu'on peut se barrer, hein. Il n'y a plus d'ennemis sur le secteur. Ah si, on en a encore un. It appears we have stumbled upon an outlaw base. Scavengers and raiders of every degree ply the demilitarized zone using these hidden structures to launch operations. Ah, je peux détruire son... Maybe it's worth the risk. Je peux détruire le missile qui m'envoie, ok. Alors du coup, on est d'accord, voilà, il faut que je tire sur la cible qui est en avance, quoi. Ah mais ok, je suis en train de me faire baiser par un vieux drone de ses morts, quoi, parce que j'ai plus d'énergie. Parce que j'ai pas suivi le tuto, bravo. Toi, il m'a dit, oui, n'attaque pas, tant que t'as pas la barre verte. Ah très bien, je vais mourir. Non, ça, je vais pas mourir, mais j'ai pris cher, alors j'aurais pas du tout dû. Et je colle beaucoup trop mon adversaire aussi, hein. Terrible. En fait, c'est quoi? Il y a des ennemis drone au car. Il y a des ennemis tant que je reste dans le secteur. Ça se passe comment? Parce que, en vrai, si je suis full barre verte, je les explose. Hein. What am I picking up on the broadcast channel here? The Okar are a reptilian race with a tendency towards reactive behavior. They are indigenous to the cluster and the colonials uninvited guests. Distrust runs deep. D'accord. Ah mais j'ai pas vu, j'ai des skills en haut. Surcharge des boucliers, amplificateur de boucliers. Surcharge des armes, pardon. Attends, mais je suis encore dans le tuto là? Ah non, je suis plus dans le tuto là. C'est plus le tuto.
Alors comme c'est plus le tuto, là les choix vont être importants. Difficulté moyenne. Alors si on saute là, on a qu'on a 1, 2 et 3 sauts. 1, 2, ouais ça revient au même. Ah non là c'est mieux là-haut en fait. Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non ça revient au même, on est d'accord. Mais je peux pas savoir en avance c'est quoi les prochains points. Je veux savoir que les deux où je suis. Allons en bas. Salut Floods. Bienvenue sur ce mercredi découverte incroyable. Tout impossible. Alors je suppose que R, on voit en haut en écran. Ça permet de recharger mes armes instant. Il doit y avoir un CD vu qu'il y a juste écrit OK, il n'y a pas écrit un numéro. Et par contre l'amplificateur de bouclier, ça doit remettre tous mes shields en haut à gauche, mais j'en ai que deux. Par contre j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Parce que j'étais en train de parler comme d'habitude. Toujours debout, incroyable. Capteur endommagé. Ah faut que je me déplace vers le signal où le signal augmente, je suppose que c'est par là-bas. On va rester sur le rayon laser au final. That's just what I need. Ah! Alors je sais pas si je devrais. That was not good. Oh là là, je me fais tellement défoncer quoi! This is a former colonial station. Abandoned as a wreck following the war with the Oka. Will I find anything interesting inside? Composant du vaisseau endommagé. Un des composants principaux de votre vaisseau a été endommagé et ne fonctionne plus correctement. Vous pouvez le réparer dans le menu réparation. Ah. However, my scanners indicate that some systems are still online, including the security protocols. Il y a des trucs pas clairs encore. Nothing comes for free. Je vous fais tirer dessus au secours. Il me faut un bélier, moi, il me faut un vaisseau bélier, vu comme j'ai tendance à rentrer dans la gueule des gens. On récupère du pognon. Alors du coup, le menu de réparation, c'est entre deux jumps, je suppose. Ah, attends, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, il faut que je me déplace vers les pourcentages qui augmentent, I guess. Donc, par là-bas. Et c'est quoi le 1 sur 20 tout en haut à gauche, pour ceux qui connaissent le jeu? Ah, c'est pas par là non plus. Pas par là non plus. Ah, on s'amuse, hein. Peut-être par là? Non plus. ...68, 70. Bah apparemment, plein de monde avait l'air de le connaître, hein. Étonnamment, arrache tout. Plein de monde avait l'air de connaître. Ok, par là, 75. Faut aller vers l'étoile en fait, c'est ça? Ah non, 78, ça descend. Ah non, ça descend par là. Par là-bas alors? ...78, on va y arriver hein. Ah, 78, ça redescend. They've locked onto you. Wow! Why does this vessel appear with a skull? This is to highlight a superior fighter. C'est un boss! Ah oui putain, il prend zéro dégâts quoi. We'll have to see about that. Go missile hein. J'arrive pas à le lock. Je sais pas pourquoi. La molette ne fonctionne pas. Bon bah voilà. 100 crédits, clé d'accès, carburant, composite. Let's go. Alors attends, du coup on est où? 84%. Ah, il y a un composite là, on va le récupérer vite fait. Parce que le délire en fait c'est que tu peux améliorer ton vaisseau au fur et à mesure de la run, hein. C'est ça l'idée. Mais ouais, le 1 est vachement bien noté et le 2... Allô? Et le 2 sort bientôt. Enfin il sort bientôt, il est prévu en tout cas. Juste un peu mal à voir les ennemis en fait. Genre, pourquoi certains je peux les lock et pas d'autres, ça je ne sais pas. Oh. Bon ça fait du loot hein, on va pas se plaindre hein. Attends mais en fait, on est à 92% là. Et que ce truc où il faut chercher le signal, je trouve que c'est un peu douteux, dirons-nous.
Donc c'est ça l'histoire. Faut que j'aille à l'intérieur sûrement. 94%, 95, 96. Genre là ça passe, tu vas me dire. Salut l'outre. Ah il est bourré. 97, 98. Ah. On va prendre la Gatling en fait sur eux. Hein. Ok, putain, heureusement que j'ai un shield, hein, ça rase. Ah, on fait du hacking. Il y a une date de sortie pour le 2 d'ailleurs. Ok, c'est bon, on a fait notre mission. Fallait check ce truc là. Quel enfer, hein. Mais maintenant on sait à quoi ça ressemble, tu vois. Pour les prochaines fois. Je savais pas exactement ce que je cherchais. Bah, ça va l'outre, ouais. Ça va tout à fait. Tout à fait bien. Je suis curieux de voir ce que les viewers nous réservent pour aujourd'hui. Alors du coup, les deux secteurs sont encore moyens. Alors, nanobots. Alors on est d'accord que je peux rien faire, hein. Je peux rien cliquer. Améliorer la capacité du secte, la capacité scan du secteur pour élever le niveau de danger. Tu vois, pour l'instant on est bloqué à deux trucs là. On a une clé d'accès, des cellules d'énergie, je pense qu'il y a rien, il faut trouver un truc spécial pour améliorer. Sûrement un port, un commerçant ou un truc du genre. Donc allons-y, c'est peut-être à la fin de secteur qu'on améliore. Qu'est-ce qui se passe ? Mes instruments sont acting up. Ces clouds sont faits de très denses et supercharged particles. Ils sont interférés avec les sensors. Oh, c'est juste ce que j'ai besoin. Ok, donc c'est quoi l'idée? Genre on a plus j'ai aucune info comme secteur. Ah très bien, je me fais enculer. Attendez, petit repli stratégique le temps que le bouclier remonte. Alors est-ce que le bouclier remonte quand je suis en boost? Ok, là il remonte. Mon gars, il nous a mis tellement cher le drone quoi. J'ai déjà mis de life hein. Santé faible. C'est un détail. It is recommended you fix it before your next encounter. If you say so. On va mourir. En fait, j'ai un peu du mal à voir les ennemis, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est parce que mes capteurs sont endommagés, donc je pense que c'est normal dans ce secteur-là de rien voir. J'ai envie de claquer un amplificateur de bouclier, je pense que je peux survivre. Ce qu'on voit tout en haut à droite, il me dit que j'ai plein de trucs endommagés, mais genre si je fais action en pause. Ah ok, ça c'est pour faire des screenshots. Stylé hein, pourquoi pas. Parce que du coup si on envoie un missile au pif, je pense pas que ça fonctionne hein. Je crois qu'il s'est pris non. Ah bah je suis mort. Bienvenue dans Everspace. Mais là c'était le tuto, comme ça au moins on termine ce tuto nul et on fait une vraie partie, hein, parce que là c'était gênant. Hein. Nouveau record évidemment. Capacité et amélioration disponible. Ah c'est quand on meurt alors qu'on level up. Vous avez obtenu suffisamment de crédits au cours de votre dernière partie pour acheter des nouvelles capacités. Allez dans l'écran des capacités, troisième onglet, et choisissez une capacité que vous pouvez acheter, indiquée par un plus vert. Certaines capacités peuvent être débloquées si vous en achetez d'autres. Alright. Coup critique, carte, scan du secteur, ça peut être stylé. Coque. Capacité d'énergie, emplacement outil, réservoir du carburant. Alors en vrai, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir un meilleur bouclier. De la vitesse, du commerce. Je regarde un peu tout ce qu'il y a. Hein. Efficacité des nanobots, on sait même pas ce que c'est. Moi je dis on peut prendre un scan de secteur déjà. On a combien de points? Où est-ce que je vois mes points? On en a deux, c'est ça hein. Je suppose que c'est ça. En tout cas, go améliorer ça au moment où on va. Ah non, on a plus, what the fuck? Ah mais ça me coûte juste des sous en fait. De level up. Ça me coûte du pognon, c'est tout. La flèche rouge, c'est quoi? Quelle flèche rouge?
Ah ça. Ça améliore d'autres vaisseaux. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que ça améliore d'autres vaisseaux. Tu vois, derrière, il y a le vaisseau qui tourne. C'est l'heure du duel. On peut acheter pour 10 000 balles un autre vaisseau. C'est l'heure du duel, bien sûr. Grobid, salut Grobid. Comment va Grobid en duel avec les cigarettes en ce moment, évidemment. Mais ça coûte 10 000 balles, donc on est loin d'avoir le compte. Allons sur quelques points de coque. Ah mais putain, mais c'est ça, la Attends, mais l'énergie, c'est ce qui nous permet de tirer, c'est ça? C'est Star Fox ton jeu, c'est ça, c'est Everspace. Mais c'est un peu dans le même délire, hein. Alors on peut mettre des couleurs. Missile léger, il y a pas mal de personnalisation en vrai, c'est assez stylé, hein. Et pour l'instant on a 3 vaisseaux, alors je sais pas s'il y en a plusieurs. Enfin s'il y en a d'autres, je veux dire, en plus de ça. Mais commençons la game du coup. Donc en fait le côté roguelike il apparaît qu'une fois qu'on est mort, hein, on dirait. Choisir la, choisir la difficulté. Facile, normal, difficile. Go en normal, hein, vu comme le jeu a l'air difficile déjà de base. Allons-y. This time I'll make it. Abattre 30 projecteurs en une seule partie pour avoir des bonus de pognon, détruisez 10 unités au quart en une seule partie et obtenir 5000 crédits. Alors ce qu'on a vu, ce qui est bien, c'est si on joue en difficulté plus élevée, on a plus de crédits. Donc ça c'est assez stylé. Voilà, et là mes capteurs fonctionnent très bien, donc c'était bien tout à l'heure le truc. Alors on a des copains, les mecs jaunes là, ils tirent sur les rouges. Alors attendez, vraie question, c'est quoi la portée de mes armes? La petite peur. À 2 km la portée des vaisseaux, des trucs de base. Ok, c'est 2 km les premiers lasers. What's this mining outfit I'm registering? En vrai j'aime beaucoup, hein. Moi j'aime bien les jeux les jeux dans l'espace et tout, et franchement j'aime bien. Le jeu c'est Everspace, hein. Le carburant par contre c'est pas clair. Limite de carburant atteinte. Oui, donc c'est le sang en haut à droite, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Cristal exploitable. You have extracted raw materials. These are essential for crafting and upgrading, but you will require much more. Ok, et ça c'est une carcasse. Ah non, le jeu est très cool, hein. Franchement. Après là, je l'ai payé plein pot, il est à 20 et quelques balles, je crois, sur Steam. Donc, sauf si vous êtes un grand fan, je sais pas pour 20 et quelques balles, je sais pas ce que ça vaut. Amplificateur de bouclier, ça c'est nice. Et donc, eux, je pourrais choisir de les attaquer si je veux, quoi. Du Crystal Med Galactique, en plus il est bleu, c'est un peu la dope de Heisenberg, hein, bien sûr. Bon, allons dans le secteur suivant, je pense. Alors attendez, parce qu'il y a plein de trucs. Ça c'est quoi? G et B case. Je commence à être un peu plus à l'aise avec les contrôles aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut tirer dessus? Fallait tirer dessus. Ah! Ok, je me barre. Je crois qu'ils sont pas contents que j'ai pris tout leur truc. Ok, chacun dans le piquateur de bouclier, let's go, on va les défoncer! Mec, jamais on les défonce en vrai. Hein. Oh mec, je me barre, j'aurais jamais dû faire ça. Ok, je me barre. Désolé, hein, merci pour l'argent. J'ai même pas vu ce que j'ai récupéré, en plus ça valait le coup. Mec, je suis déjà mid life. J'ai même pas vu ce que j'ai récupéré. Mais je suppose que ça valait le coup, hein. Intercepteur colonial Ishani, je sais pas ce que c'est ça. Les deux trucs qu'on a là. Risque inconnu, bah allons-y. T'as un mec, ils nous ont lavé, quoi. Et j'ai même pas vu ce que j'ai récup en plus, j'ai même pas eu le temps de voir tellement que j'étais en PLS, quoi. Chasseur G et B, d'accord. En fait chaque secteur a des trucs un peu uniques, quoi.
Salut Yoshi. Alors là, on pourrait directement jump, mais il y a sûrement des trucs à faire. Parce que eux, qu'est-ce qui m'empêche de les tabasser en fait? Transporteur de carburant, eux ils sont neutres, mais en fait si je veux je peux les attaquer. J'ai l'impression qu'ils sont que deux, donc on va s'attaquer directement au drone chasseur, on va voir. On teste hein. Ah non, il y a des ennemis, ok d'accord. Ah bah les fameux drone chasseurs au car, on devait les défoncer. Alors là je dois viser quoi, tu vois, pour les toucher là? L'intérieur du petit cercle? Ah non, je dois viser le cercle qui bouge là. En vrai, ils ont pas d'armure eux, donc faut que je go direct Gatling quoi. Ah non, il y avait un bouclier, ça. J'ai un peu du mal à voir l'interface. Hashtag vieux monsieur. Hein. Ah, donc je switch entre les armes laser et les autres armes. Carburant va être full. Des crédits. Ouais, c'est un peu l'idée, Floods. Hein. C'est un peu l'idée. Du gaz exploitable. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le bouquin là-bas. Petit Jamba. Construction. Vous avez obtenu suffisamment de ressources pour créer des objets. Allez dans le menu d'équipement pour voir quel objet peut être modifié ou construit, selon la petite icône apparaissant en haut à droite. Sélectionnez l'option construction, construire un nouveau ou améliorer dans la liste de construction. Oui, mais où? La réponse est où? Est-ce que tu manges trop, Yoshi? Avec l'été, avec la chaleur, hein. Si tu manges trop, t'as le corps qui surchauffe, hein. C'est terrible. Hein. Du minerai, alors je sais pas où il me parle d'amélioration de vaisseau, si quelqu'un sait, n'hésitez pas. They were first on the scene due to their extensive jump gate infrastructure. So far as their monopoly is concerned, their relationship with the colonial fleet was undoubtedly a factor. C'est de la chaleur qui te gaze, hein. C'est pas déconnant. Missile léger. Alors je sais pas où on craft des trucs. Dans le tuto ils m'ont pas dit. C'est peut-être sur le... entre deux jumps en vrai hein. Parce que là il reste que des good guys. Enfin des mecs neutres en tout cas, des mecs jaunes là. Carburant nanobots on s'en fout. Je pense qu'on peut passer au secteur suivant hein. Et salut First Angel. Ah bah voilà, Yoshi qui nous fait un petit bébé. Améliorer la capacité du scan. Alors je pense que je rate une composante clé dans le jeu qui est le crafting. Mais bon, tant pis. Hein. La maladie du bisou. Alors on va rester sur nos lasers impulsions. En haut vous avez mes armes. Hein. Les armes que j'ai équipées, enfin que j'utilise en tout cas. Un drone mineur la loi, on peut lui casser la gueule. Alors lui je peux directement passer en Gatling parce qu'il a pas de barre bleue. Voilà, comme ça on le déraille en 2 secondes. Un petit peu de ferraille. Putain, j'avais pas vu les tourelles. Oh, les missiles qui... Est-ce qu'ils me font mal, les missiles? Alors, j'ai l'impression qu'avec la Gatling, pour tirer sur les missiles, c'est pas clair. Hein. Là-bas, il y a du bad guy. On va attendre un peu que notre énergie remonte, en vrai. Je suis en pleine période de sugar boulimie. Bah mec, si... quand tu manges de la merde, tu te sens de la merde. Hein. C'est... Y a pas de mystère. Hein. Si tu te gaves de sucre, tu te sentiras jamais bien. Hein. Surtout si c'est du sucre raffiné. Ah merde, fais peut-être pas que je rentre dedans. Putain, j'ai défoncé mes trucs. Connard. Alors qu'est-ce qui se passe si je tire là-dessus?
Ah mais j'ai... Ah mais d'accord, j'ai failli mourir en fait. J'ai pu... J'ai... Ok, j'ai tout défoncé en fait. C'est un peu ça, ouais. Ah mais c'est ça, hein. Si tu te gaffes full sucre... De toute façon, si tu manges pas bien, tu te sens pas bien. Hein. C'est... Y'a rien de sorcier. Ouais, j'ai niqué mes missiles, ouais. Le move de pro. Je suis mort là en fait, c'est ça? On va se cacher derrière le champ d'astéroïdes le temps que notre bouclier remonte. Technique de pro. Alors, attends, y'a d'autres ennemis là-bas. Surprise, motherfucker! Ok. Faire le switch d'armes, ça vaut carrément le coup. Hein. Parce que la Gatling fait tellement mal sur les points de coque, quoi. Par contre, faut vraiment que je comprenne comment on répare. Hein. Ah, mais c'est. Putain, c'est tab. Il fallait appuyer sur tab depuis le début. Du coup, la vraie question. Réparation, et oui. Moins réparé avec A, pardon. Du coup, arme secondaire, ça me coûte quoi de réparer ça? D'accord. Ah mais j'ai pas ce qu'il faut, ressources nécessaires, il faut des nanobots, ok d'accord. C'est bon, il a compris, putain, incroyable, hein. Ça lui a pris du temps, mais il a compris. Ah, j'ai un piratage de drone aussi à équiper. Pour les petits drones ennemis. Alright, c'est bon, il a compris, ben voilà. Mais oui, merci hein, Floods. Hein. Abonne-toi Floods, hein, n'hésite pas. Hein. Centre de communication. Alors attends, go défoncer l'éclaireur en la loi déjà. Avec mon petit laser à impulsion. 2 km de portée, donc on peut déjà l'allumer d'ici. Voilà, faut viser le petit cercle. Hein. Et là je switch Gatling. On a un gros un autre. On a plus d'énergie. En fait, plus d'énergie, c'est terrible quoi. Je peux plus attaquer. C'est honteux. C'est la fin du game. Allez, petite rafale. Ok. Amplificateur de dégâts. Consommable. Ah! Je pense que je vais plutôt prendre quand même l'amplificateur de bouclier à choisir. Hein. Je me suis rasé le crâne hier et je me le caresse depuis ce matin, suis-je normal? Bah écoute, je me suis jamais rasé le crâne donc je saurais pas te dire. Mais oui, je suppose que c'est un peu comme quand tu te rases les couilles, tu vois, c'est tout lisse, du coup t'aimes bien toucher quoi, je pense que c'est pareil. Hein. Du coup on peut le démonter avec R, donc allons-y. On récupère une ferraille. Et du coup on a ce centre de communication. Alors en fait ma seule peur... C'est que je rate des loots. Ah bah voilà, putain. En fait, non, il y a des petits points bleus, donc on peut rien looter. On peut rien rater, pardon. C'est honteux. Alors attendez, il y a du pognon là. 400 balles. Moi, 400 balles, je prends. Hein. Et un mode de vitesse de tir. Mode de vitesse de tir plan. Plan de tir. Ok, c'est la VF qui est un peu... un peu spécial. N'est-ce pas? Alors c'est quoi? C'est un truc que je débrouille pour plus tard? C'est un truc que je peux utiliser maintenant? On ne sait pas. Hein. Ah, attendez. Améliorer. Ah! Il fallait cliquer sur les petites molettes. Petit OPSP, hein, bien sûr. Améliorer, retirer, équiper. Alors on pourrait améliorer nos lasers. Est-ce que ça nous coûte... Ah, mais ça nous coûte des trucs. Fuck. D'accord. Donc en fait, tu peux vraiment pimp ton vaisseau de A à Z, en fait. Ça, c'est super stylé, hein. Bon, je sais pas s'il y a que deux vaisseaux ou plus. Il y a du carburant, on need. Et un relais pour capteur. Un outil passif. Augmente légèrement la portée des capteurs du vaisseau.
C'est passif, donc je dégagerai bien la surcharge d'armes à la place. On est d'accord, j'ai les deux trucs là d'équiper. Voilà, échanger. Attends, mais ça, du coup, comment je le détruis? Démonter, c'est démonter quoi? C'est démonter mon truc actif ou le truc que j'ai ciblé? Le jeu, c'est Everspace. Il faudrait que je le rajoute, en vrai, hein, sur l'écran du stream. Voilà, c'est ça. Démonter sur surcharge d'armes me donne 3 plasmas et 5 de ferraille. Ok. Alors, du coup, on peut pas réparer avec toutes ces... tout ce qu'on a eu, là? Non, on n'a pas assez. Il nous faut... En fait, c'est les nanobots qui permettent de réparer. Et du coup, est-ce que je peux upgrade? Par exemple, mon générateur de bouclier. Ah non, c'est que ok, hein. À mon avis, il faut sûrement des trucs. Attendez, je reçois des messages dans tous les sens. Sûrement des propositions de PSP pour le jeu DBZ d'hier. Hein. C'est pas noté, je suis perdu, mais t'as bien raison, mais on va le rajouter. Attends, regardez, on va le rajouter, regardez ça. Regardez ce streamer qui n'a peur de rien. On rajoute le nom du jeu, on va le mettre au-dessus de la webcam. On va mettre ça, ça prend 2 secondes. Hein. Tout va bien, c'est en QWERTY, c'est de la merde. Le jeu c'est Everspace, et je peux le mettre là. Comme ça on arrête de me demander. Incroyable. Ok, bon on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, donc du coup j'aimerais bien booster mes boucliers moi. Mode de capacité des boucliers, il nous faut encore 4 cristaux. Oula, non. 1, ah putain merde, je suis en QWERTY. Tout va bien. Ok, c'est bon. Je suis en QWERTY. Ralentisseur de cible. En fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'on skip tous les secteurs sans looter quoi que ce soit. Et on a un autre truc à check en bas aussi. Je pense qu'il faut bien... Enfin voilà, faut rincer les systèmes pour se mettre bien quoi. Oh! Alors, outil passif, réduit la vitesse de votre cible verrouillée actuelle d'un certain pourcentage et la rend plus facile à toucher. Ah mais ça prend de l'énergie, en vrai on va le démonter ça. Pas mal ça, hein. Et du coup je me demande ce que c'est là, le... Oula! Je me demande ce que c'est le point là-bas là. You're drawing fire. Ah merde, y'a des ennemis qui se ramènent. Genre si on reste trop longtemps on se fait défoncer. Genre qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est une toile, très bien. Ça, mes boucliers ils tankent. Et ça c'est quoi du coup? Caisse. Faut tirer dessus je crois. Yes. Du crédit. Très bien. Ah, la Gatling c'est pas le truc le plus précis du monde hein. De la ferraille. Donc c'est quoi qu'il nous manquait des cristaux je crois hein. Le jeu est beaucoup plus stylé que ce que je pensais hein, je vous avoue. Caisse d'outils, faut tirer dessus hein. Ah une nouvelle arme. Ah mais c'est les mêmes, laser impulsion. Est-ce que c'est le même? Oui c'est exactement le même. Bah go le démonter. Mais il est... franchement le... C'est vraiment pas mal hein. 8 gels. En fait c'est le côté roguelike qui est vachement stylé quoi. Amélioration du vaisseau, tu recommences à chaque coup, tu pimes ton vaisseau, tu fais comme tu peux, il y a une grosse vibe FTL dans l'idée quoi. Ah, minerai exploitable, il nous fallait du cristaux, alors est-ce que le minerai, est-ce que le cristal c'est considéré minerai? Ou est-ce que c'est minerai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre c'est dommage que nos missiles soient endommagés hein. Tu sais parce que je suis rentré dans un truc comme un âne. Donc le minerai, ça s'appelle bien minerai. Minerai entièrement exploité, ok. Force au quart en approche. Ok, faut que je me barre. Parce que je pense qu'on peut pas rester dans ce secteur pendant 5 ans sinon on se fait ken. Donc go se barrer. Le minaret, bien sûr. Petite pensée pour nos amis musulmans sur le stream. On en a pas beaucoup hein, d'ailleurs des viewers d'Afrique du Nord, hein. Terrible. Enfin, il y a des musulmans ailleurs qu'en Afrique du Nord, mais je voulais dire ça d'un point de vue international. Bon, allez. Stop, stop, me. Voilà, Jeanne, au secours! Allons-y! Alors attendez, avant de me battre, je voudrais upgrade. Est-ce que... Mais non, mais je crois que je suis baisé en fait, je peux rien upgrade là. Hein.
Qu'est-ce qu'on voudrait upgrade en vrai? Nos boucliers, non? Est-ce que j'ai de quoi l'upgrade? Et non, il nous faut toujours les cristaux. Mais de toute façon, c'est le but de cette session. Vous me faites découvrir des jeux et ça fait découvrir des jeux à tout le monde. Donc en fait, c'est stylé. Même moi, tu vois, j'avais déjà vu ce jeu sur Steam, mais je l'avais jamais. Enfin voilà, j'avais jamais donné sa chance, entre guillemets. Et en fait, le jeu est vraiment stylé. Hein. Et il y a le 2 qui sort dans pas si longtemps que ça. Hein. Ah, il faut vraiment plus d'énergie, on s'emmerde. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai une barre rouge dessus. Je pense que c'est l'état de mon vaisseau. Hein. Un peu de gaz et un peu de carburant. Parce que je pense que ma barre qui est défoncée, c'est quoi, vous pensez? Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est les points de coque. Hein. Et il faut des nanobots. Bon, y a un big ass vaisseau là. Des drones, deux éclaireurs. Le portail stellaire qui est là-bas. Oh, le cristal! Le cristal qui nous servait pour upgrade nos boucliers. They're on to me. Ah, bonjour. Ah, c'est une tourelle, ok. On reste sur la Gatling. Me poser sur le gros vaisseau. Ah, je sais pas, il y avait un truc. J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Missile léger, super, mais du coup on peut pas s'en servir. Couleur d'autocollant, nouvelle couleur débloquée. Ah! Du crédit. Oui, il y avait un truc. Ah, c'est peut-être un shop? Marchand. Nice, bien vu, Rachou. J'avais pas vu. Échangeons des objets. Ah oui, c'est du trade, genre ça contre ça. Ok. Mais en vrai, je sais pas vraiment ce que je recherche. Missile anti-bouclier, matière noire. On va rien trade, je pense, pour l'instant. Moi, ce que je veux aller récupérer. Bah ouais, heureusement que t'es là. Voilà, moi, c'est le cristal que je veux aller récupérer. Oh là là, et bah, tellement de carburant à récupérer aussi. Parce que du coup, avec le cristal, on peut upgrade notre shield et donc briller. C'est Monsieur Biggie hein, qui a suggéré ce jeu. Ah mais je suis vraiment en déj' énergie, c'est insane, il me faut des... Il me faut des nanobots. Parce que vous avez vu là, ma barre verte, elle met 8 ans à remonter quoi. Je suppose que c'est... Je suis pas sûr que ce soit la coque en fait hein. Je sais pas. Oula. Bon ça va, en fait les drones ils sont... Ah non, c'est un éclaireur. Les éclaireurs ils sont bidons. On a d'autres minerais exploitables ici. En fait j'aime bien le fait qu'il faut choisir entre guillemets tes combats entre deux... Attends, on va tuer lui d'abord. Et vous avez vu la différence quoi quand je tire avec la Gatling, quand je tire avec le laser sur la coque quoi. Ah mort de rire, on l'a entendu gueuler, stylé. Ah la petite couleur d'autocollant hein, bien sûr. Il manquerait plus que des lootbox, c'est vraiment le jeu parfait. Hein. Tu vois j'aime bien le fait de devoir choisir entre guillemets ce que tu dois faire. Attends mais du coup on peut pas upgrade nos boucliers avec... Ah mais si, ok, donc en fait il y a déjà le petit... Il y a déjà le petit plus, on peut améliorer, construire, c'est ça. Alors, on améliore notre défense ou notre attaque? Parce que en vrai, on a un peu une attaque bidon aussi. Mais je pense qu'améliorer les lasers de base, c'est pas ouf. On va plutôt améliorer notre bouclier. Surcharge des armes, augmente la vitesse de tir et les dégâts pendant quelques secondes, réduit la consommation d'énergie de vos armes. On va prendre, je pense, plutôt le point de bouclier classique, construire. J'appuie sur F, il se passe rien. Je clique, il se passe rien. Ah, mais il me faut du plasma! On n'a pas assez de plasma. J'avais pas vu. On a assez pour un mode, mais pas pour l'autre en fait. Attendez, parce que là, il y a plein de points bleus. Déjà, on a masse carburant à récupérer ici.
Le carburant, c'est quoi? C'est ce qui permet de jump de secteur en secteur, parce que là, je consomme pas de carburant, en fait, hein, on est d'accord. Adef, t'as une chill, soit grave. Ah, bon. Trois chasseurs, ça risque d'être chaud, non? Manque d'oxygène. Votre système de survie est endommagé et votre niveau d'oxygène diminue. Vous pouvez le réparer depuis une réparation si vous disposez pas des ressources nécessaires. Essayez de les trouver avant qu'il soit trop tard. D'accord, bon, en fait, on va se barrer parce qu'on prend trop cher là. Alors, après, le jeu se veut d'Ayen Retry vu que t'as un système de progression de game en game. Entre guillemets, t'es supposé. Ouais, je prends tellement cher. On va prendre le portail. Bon, je claque une surcharge des boucliers. Ça n'a rien fait. Très bien. The Dream. Wouh. Mais en fait c'est de pire en pire parce que comme t'arrives pas à exploiter bien le truc, enfin tu vois ce que je veux dire, là on est dans la merde de ouf quand même. Réparation, au secours. Ah mais d'accord, mon générateur de bouclier est mort. Et on n'a pas les nanobots pour réparer. Et le système de survie c'est pareil. Donc en gros les nanobots c'est voilà. On va voir si lui peut en vendre. Mais là en gros ça pue quoi. Long story short, ça pue. Donc lui, je suppose que c'est un vaisseau de commerce. Tu penses qu'il y a quelque chose de salvageable sur ce freighter? Probablement, mais je ne vous conseille pas, car il peut attirer l'attention inutilement. Ah non, c'est pas un trader lui. Bah alors, je suppose que eux, tu peux les attaquer si t'es. Si t'es chaud quoi. Also known as the Beltagrades, a group of systems approximately 1,000 light years from the Sol system. Mapped to precision in the 24th century, but unexplored by colonials until the 30th. Minerai, demarcation cristal, lines cristal. Between putain, colonial and native Okar interests are still in dispute. En fait, c'est des nanobots qu'il me faut, quoi. On les avait récupérés comment, les nanobots d'avant? Ah, y'a un truc à récupérer là-dedans. Il doit y avoir une entrée. C'est quoi ça? C'est des mines? C'était des mines. Moi je vais voir là-dessus. Un nouvel objet peut être créé, réducteur de dégâts. Ok. J'aime bien ce côté un peu genre puzzle, tu vois ce que je veux dire? Genre. Ah! Ah, y'avait une mine. Ah, d'accord, je suis prêt. Attends, oh, ça va. C'est mon bouclier qui a tanké, mais on a failli mourir. Ah merde, putain, ok. C'était sur les ennemis, ok. As you have probably ascertained, hacking comhubs has its benefits. Ok, on a hacké ce truc, je sais pas ce que ça m'a apporté, mais. Ah mais d'accord, je vois tout ce qu'il y a dans le secteur, non, c'est pas ça? Je vois toutes les caisses. Ok, il y a plein de caisses à outils à récupérer. Non mais j'ai vu que le système de survie se casse la gueule, mais il me faut des nanobots. En fait, j'espère que dans une de ces caisses, on va en trouver une. Et je viens de claquer un truc sans faire exprès, très bien. Putain, j'avais pas vu les. Crédit. Parce que j'ai l'impression que dans les caisses à outils, il peut y avoir un peu de tout et rien, quoi. Minerai, on s'en fout. On avait d'autres caisses à check, je crois. Caisse à outils, ouais. On va check ça là-bas. Mais oui, ça sent le pâté, hein, comme on dit chez nous. Hein. Alors, j'ai peur qu'ils m'attaquent. Parce qu'il y a écrit GNB, caisse à outils, c'est à eux ou... La réponse est maintenant. Est-ce que je peux l'ouvrir sans mourir? Et la réponse est oui.
La réponse est oui. Putain, c'est trop fort ça. Moins 40% de dégâts subis pendant 12 secondes. Attends, mais c'est... Ah non, c'est inconsommable, ok. J'équipe ça, je démonte l'autre. Comment j'équipe ça? Vous voyez, j'ai celui-là, là, mais comment je switch sur celui-là? Attends, il y a peut-être une touche en bas. Action. Non? Parce que vous voyez, en haut, là, j'ai l'amplificateur de bouclier, mais comment je switch de l'amplificateur de bouclier au truc que je viens de looter, là? Parce que la molette, ça bouge que l'arme principale. Ah, 4 peut-être? Ah, c'est 4. Ok, c'est bon, c'est 4. Vous restez appuyé sur C. Mais connard! Mais je sais. Mais putain, mais c'est pas ça que je demandais. Moi je le fais quoi. Mais dompteur quoi. Dompteur qui me fait claquer le truc dans le vent. Bravo dompteur. Oh, on n'est pas aidé hein. On n'est pas aidé. Si je meurs, c'est vraiment que de toi dompteur hein. J'avais la game vraiment bien en main. Ouh, des torpilles plasma. Alors du coup, est-ce que c'est mon lanceur d'armes secondaires qui est mort ou... Parce que go échanger ça du coup. Ah c'est bien mon lanceur d'armes secondaires. Hein. Salut Nettle. Mais pourquoi... Non mais t'es déjà Nettle, pourquoi tu cries Nettle? Qu'est-ce qui se passe? Bon ça sent le pâté hein. Je vais essayer de récupérer le minerai. À mon avis, il y a peut-être moyen d'échanger du minerai contre d'autres trucs hein, j'en sais rien. J'aime bien cette chaîne, bah oui, bah profites-en hein, parce que demain c'est le dernier jour gratuit hein. Ouais, y'a la caisse à outils de ces mecs là, mais ils vont me buter. Bon, Gombaré au secteur suivant, mais bon, j'y crois pas vraiment. Ça sent la fin. Le jeu est bien cool en tout cas. Le jeu est bien stylé. Alors on a amélioré nos capteurs, mais on n'arrive pas à voir ce qui va se passer, donc allons-y. Il faut qu'on trouve des nanobots, mais genre vraiment quoi. Éclaireur hors la loi MK2. On va essayer de se les faire, hein. On a 1,6 km de portée. Ok, en fait, dès que le cercle s'allume, ça veut dire qu'on a portée. Et de 1, on n'a pas vu qu'il me reste un PV et que j'ai plus de bouclier. Hein. Ah bah si, ça c'est nous. Ok, bon, on a beaucoup appris sur cette run. Voilà. Nouveau plan. Ah mais du coup on garde des plans pour les prochaines games. Et ça c'est stylé. Réducteur de dégâts, mode de vitesse de tir. Ok. Et donc là, du coup, avec le pognon... En fait c'est soit on économise pour acheter un autre vaisseau, soit on améliore celui-là. Ah mais non, mais en fait ça coûte 4 pour l'améliorer une fois, c'est ça? Ah. Et du coup comme on a augmenté le scan du secteur à 1 sur 4, on déverrouille le commerce ou la récupération. Ouais, donc là, niveau durée de vie, en fait, il y a carrément de quoi faire. Hein. Il y a carrément de quoi faire. Salut Dexter. Bonus de crédit. En vrai, bonus de crédit obtenu, c'est un peu... efficacité des no-bots. On va prendre ça, je pense. Hein. Augmente la quantité de points de vie réparés par les... Par ça, ouais, carrément, ouais. On dirait que du trône au boulot. Incroyable. Hein. Comme beaucoup de personnes sur ce stream, j'ai envie de dire, voilà. Tous au boulot, tous en train de chier, hein. Allons-y. Chance de butin rare. Oh putain, ça coûte 2005 ça. En vrai, tout mettre à 1, ça vaut le coup, non? Parce que ça donne une chance que ça proc, quoi. On a plus de sous, hein. Ça pousse. C'est un peu l'émoticône du pouce caca. Hein. Des défis. Le jeu, c'est Everspace.
un roguelike jeu de vaisseau assez stylé, hein. Franchement, je suis très surpris de la qualité du jeu. Et le jeu... Enfin, il va y avoir le numéro 2 qui sort, je sais pas quand, mais il y a un 2 prévu pour dans pas trop longtemps. Je suppose pour la fin de l'année. Et si le 2 est aussi bien que celui-là, ça promet. Mais le jeu est vraiment cool. Hein. Roguelike, t'améliores ton vaisseau au fur et à mesure des runs, un peu à la FTL. Et ouais, c'est pas mal du tout. Hein. On a déverrouillé des couleurs. Voilà, on peut se mettre en violet comme voilà. On représente Twitch quoi. Alors c'est marrant parce que. Ah, c'est peut-être mon nombre de try ça en fait. Hein. Là on est passé à 3. Bah moi je dis go se refaire une petite run. Vu que là on a mieux appris. Crédit non utilisé. Bah oui, il me reste 200 balles, vous êtes sérieux? Certains crédits. Certaines capacités peuvent être améliorées. Souhaitez-vous partir et perdre les crédits non utilisés. Ah, mais d'accord, tu repars à 0 à chaque coup? Non. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas suivi? Merci Torrentiel de ton resub! Un an de Twitch Prime! Ça va Torrentiel? Merci beaucoup de ton resub, de ta générosité. Un an de soutien, c'est beau, ça se fête. Hein. Ça se fête, et pour la peine, hein, n'hésite pas à suivre le Discord, Dick Pic de Leinhardt. Non mais je crois qu'on est bon en vrai. Hein. On va rester en normal, hein. Je pense que c'est bien. Là, oui, là où il y a des plus verts. J'ai fait de la merde. Bon, tant pis, hein. Attends, c'est là où je commence déjà avec un vaisseau pété. By the laws of averages, this should be a better run. Détruisez un drone en lui rentrant dedans, on gagnerait 1200 crédits. Abattre 30 projecteurs, ok. Tu vas me dire que là j'aurais pu avoir plus de bonus dompteur. Et merci mon cher Jalilou pour ton follow. Go se taper, hein. Ok, carburant on est déjà full. Ok, ok, ça on a rien perdu. On va dire qu'on a rien perdu et que c'est ok. Bon, go défoncer les éclaireurs en vrai. Hein. En tout cas, ouais, très bonne surprise hein, ce jeu. Hein. Très très sympa. Après, faut aimer. C'est pas un style pour tout le monde. Hein, les... Attends, on avait pas un défi où on devait tuer. C'était un drone qu'on devait tuer en rentrant dedans? Allez, c'est bon, c'est validé. Enfin, je crois. Par contre, putain, j'ai pris super cher, quoi. On a pris quand même midlife en lui. Enfin, c'est quoi? C'est l'impact qui m'a mis midlife? Les chasseurs GNB. Y'a pas d'autres trucs à fouiller là avant que je me barre. Un champ de plasma, on a déjà vu ça, je crois pas. Hein. Salut Biggie. That's convenient. Ok, on récupère du plasma, donc c'est une ressource. Hein. Bah très bien. Bah écoute Biggie, bonne suggestion hein, le jeu est très sympa hein. C'est Biggie hein, qui a suggéré le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, puis ce qui est bien dans le jeu, c'est que voilà, dès qu'il y a un truc, tu tires dessus et ça règle le problème, tu vois. Et ça, c'est beau. Là, c'est la troisième. Enfin, le tuto, une run, et là, c'est la deuxième, on va dire.
On commence à un peu comprendre comment ça fonctionne. Il y a 14 de carburant, mais Osef. Je pense qu'on peut avancer, hein. Salut Eric Zemmour. Comme en Amérique, évidemment. Et évidemment. C'est pas... Ah. Ah, il y a un point spécial là. Ah non, c'est parce que j'ai... Ah non, c'est parce que... Ah non, what? Risque moyen. Écoutez, moi j'aime le risque. Donc allons-y. Première fois qu'on va dans un secteur à risque moyen. Et du placement, on va direct le récupérer. L'amour du risque. C'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Ah non, c'est l'agence touriste, c'est pas l'amour du risque, rien à voir. Pardon. J'ai pas la ref. Reported, grave. Alors risque moyen, mais il se passe rien, donc c'est pas clair. Ah, y'a un cristal, bah go exploiter le cristal, hein, vu qu'il y a que ça. Et du coup, y'a une date pour Everspace 2. Parce qu'en vrai, j'aime bien le jeu. Hein. En plus, je l'avais vu plein de fois en promo à... Raté. J'avais vu plein de fois en promo à genre 5 balles et tout. Ok. Ah, c'est à l'intérieur qu'il faut aller. Stylé. Petit cristal, cool cool. Et on est bien d'accord qu'il y a des trucs qui s'affichent au fur et à mesure. Hein. Bouclier font... Oh, des nanobots! Alors, vraie question, est-ce qu'on claque nanobots pour réparer ou est-ce qu'on les garde pour réparer des systèmes? Je pense que tant qu'on n'est pas en PLS... Parce que là, avec 5 nanobots, on remonterait quasiment full life. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire tout de suite? Bouclier frontal. Génère un bouclier impénétrable en face de votre vaisseau pendant un certain temps. C'est un outil actif, durée de l'effet 15 secondes. Et durée de récupération 42 secondes. Waouh, c'est stylé ça. Mais, hein? Pourquoi je peux pas le récupérer? Attends, il y a un autre truc là? Ah non, c'est juste la boîte. Pourquoi j'ai que l'option pour le démonter? Restriction de classe, vaisseau de combat. Ah non! C'est pas pour nous. Terrible. Putain, c'était stylé ça. Pendant 15 secondes, t'as un vaisseau qui... Un shield tank quoi. Bon bah on le démonte hein. Au moins on perd pas... Au moins on récupère quand même des trucs hein, donc c'est ok. C'est ok, chair. Une autre caisse à outils qui est à l'extérieur apparemment. En tout cas le jeu est très maniable hein. Enfin ça prend un petit temps mais après ça va vite. One man's waste is another man's treasure. Laser impulsion plus plus plus. Donc c'est le même en fait que moi mais en mieux quoi. En gros c'est ça l'idée hein. Plus de tir, moins de consommation d'énergie, même portée. Et il y a 3 modes d'installer dessus. Bah écoutez, on les change et on détruit les anciens. À la manette c'est plus facile, bah ça va franchement clavier, enfin moi j'ai aucun problème au clavier là. Nice. Cool. Corona. Pardon. Là la seule question que je me pose, parce que regarde, on voit plus rien autour. Est-ce qu'il faut que je me... Est-ce qu'il faut que je me barre? Le streamer est en train de vomir, hein, tout va bien. Ah, ils m'ont mis cher. Ah, oh, ils m'ont mis tellement cher en fait. Ah, oh, on a débrouillé un nouveau plan, nice. Au moins, même si je meurs, c'est pas tout perdu. Alors, l'idée là, c'est de se cacher le temps qu'on régène. Ah! Générateur de bouclier endommagé. Oh well. Y'a un autre mec. Ils sont où?
Allô ? Bon, on n'a pas le choix, on va réparer. Hein. Ah mais c'est pas instant ! Ah merde ! Ah non, ça va, ça remonte. Je crois que c'était instant. Niveau difficulté, le jeu il rigole zéro. Après, je dois sûrement mal jouer, hein, mais ça c'est l'habitude. Hein, mais... Je vais faire courir, moi, tu vas voir un rouquin là-bas. Calmez-vous, calme-toi, Jean-Marc. Peut-être que les ocars sont tous des roues, on ne sait pas. Hein. Entre Eric Zemmour dans le chat, Jean-Marie sur l'écran, on ne sait plus. Hein. Ça devient pas clair cette histoire. Hein. Pas comme ça qu'on va avoir d'autres OPSP, hein, je vous le dis. Hein. Putain, mais du coup, on a réparé pour se retrouver au même point, quoi. Et on a perdu la surcharge des armes. Attends, mais on a perdu le générateur de bouclier, ça veut dire qu'on met 8 ans à recharger, c'est ça? Ah, les ocars, c'est les vénères, ok, d'accord, c'est pour ça que j'ai pris le tarif. Et Mélenchon, bah ça va, comme ça, moi, on a tout, quoi. Missile anti-bouclier. Je pense que je suis pas... Je regardais mon carburant. Allez, go prendre ça, tiens, des missiles anti-bouclier. On utilise peut-être pas assez nos missiles en vrai, hein. En fait, moi ça me dérange d'utiliser des consommables. Je sais pas, mon cerveau il est bizarre. Ah mais mon gars, attends, mais il faut que... T'es bien trust pour le choper en plus, hein. Qu'est-ce qu'il dit? On va faire un truc normal, hein. Enfin risque faible, hein. Parce que là c'est pas clair. Ah ça va, il est dans mes full shield quand même. Oh là là, mais c'est que des ocars, j'y crois pas, au secours. Et eux du coup ils sont en guerre avec les ocars, on est d'accord, hein. Donc si je reste à côté des chasseurs, ils m'aident. Le jeu est beau en tout cas, hein, pour un jeu qui est sorti il y a un moment, je le trouve assez joli. J'ai aucun motion sickness sur ce jeu. Zéro problème. Ah mais attends, les Hawkars détruisent aussi les hors-la-loi. Ils sont pas ensemble. Et du coup, si je les laisse s'entretuer, je peux récupérer le loot ou pas? Putain, mais mec, j'ai pris tellement cher, quoi, c'est terrible. Ouais, peut-être, Biggie, ouais. Sûrement même. Ah oui, tu récupères le loot si tu laisses s'entretuer. Bah parfait, salut Vargas. Donc, ouais, ça... Bah voilà, parfait, let's go. Et là, on interagit avec eux. Les drones, je crois qu'ils ont pas de bouclier, hein. Et voilà, comme ça, je peux finir. Et je récupère le loot de tout le monde. Ah. Mon plan est parfait. On avait testé, bah tiens Vargas en plus, on avait testé le jeu où tu dois découper les carcasses de vaisseaux là. Mais mec, j'ai joué au jeu une heure, je crois que j'ai gerbé quand même. Ouais, il y a le 2 qui arrive bientôt, ouais. Bah là je découvre le 1 et c'est vraiment stylé, hein. En plus moi j'aime bien les jeux de ship et tout ça, et j'aime bien le côté roguelike, donc... Très bonne découverte. Hard machin truc là, le jeu que t'avais parlé là, je l'avais essayé en live. Le jeu où tu dois découper les carcasses de vaisseaux un peu en mode puzzle game, tu sais. Par contre je vois pas de loot, donc terrible. Space hard, je sais plus quoi. Un jeu qui est sorti il y a une semaine, c'est ça. Enfin bref, t'en avais parlé, j'ai testé, et horrible quoi. J'ai joué une heure, je crois que j'avais posé une galette quoi.
Pourtant ça m'arrive rarement dans les jeux. Je crois que c'est le deuxième jeu sur lequel ça me le fait. Le premier c'était Cube, un jeu où t'es dans des pièces toutes blanches et c'est un puzzle game. T'es sûr que c'est... Bah je suis quasiment sûr, et après je peux me tromper hein. De nouveaux objets peuvent être créés. Bouclier. Mode capacité de bouclier. Alors, du coup, je gagne quoi? 20% de consommation d'énergie. Attends, j'ai plus de vie, mais je consomme plus? Pas clair. Hein. Attends, mais je te dis, c'est quoi le jeu? Enfin, j'en sais rien, en fait, je te dis ça, mais... C'était... Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça, Vargas. Tout à fait. En fait, j'aime bien ce côté un peu genre exploration, tu sais, un peu... Pas puzzle, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Deux nanobots. Tu connais même pas. Ah, bah ça doit pas être toi alors qui a du sujet. Bah my bad alors. J'étais sûr que c'était toi. Ah non, toi t'avais parlé peut-être de Outer Wild. Et quelqu'un d'autre avait parlé de ce truc là. Mais du coup, Hard Space est bien, mais le jeu me rend malade en fait. Je sais pas si c'est un problème de FOV ou quoi que ce soit, mais. Ouais, ça doit être l'autre Vargas, c'est ça. Mais depuis qu'ils sont deux, j'ai du mal à suivre. Bon, on va claquer la réparation. Ouais, elle est sortie il y a... Bah, il y a deux jours, je crois, un truc comme ça. Mais apparemment, du retour, ce que j'ai vu sur le Discord torrentiel, c'est pas ouf ouf, hein. En fait, là, plus j'attends, plus j'ai du gaz qui pop, c'est ça. Je peux récupérer du gaz, entre guillemets, à l'infini. Ouais, ouais, il y a un deuxième Vargas. Mais il est toujours là quand t'es pas là. Donc, c'est pas clair, hein. Bah je vais pas tarder je pense hein Yoshi hein. On a vu, je pense qu'après cette run là on switchera de game. Mais j'aime bien le jeu donc du coup je joue. Non franchement très bonne découverte hein ce jeu hein. Mais il se rapproche juste pour ce secteur là, on est d'accord qu'une fois que je jump ça change rien hein. Ça va, on a rien perdu. Bon bah go se barrer hein, je suppose. Je pense que je dois pas exploiter au mieux les secteurs. Bluefield, j'y m'intéressais, mais il était très très early si je dis pas de bêtises. J'avais vu la sortie à un moment. Allez les gars, on va se taper avec... On va claquer un petit missile. Alors attendez, mon missile antimatière du coup c'est quoi la portée? 2 km. On va lui balancer un missile antimatière et on enchaîne sur un coup de Gatling. Est-ce que un missile va suffire? Oui. Oh putain, c'est trop mal quoi. Peut-être un peu du gâchis même là-dessus. Oh putain, je le tape, mais je suis sérieux quoi. Laser, on joue sur la Gatling. Ok, on a encore du spectacle. Let's go. Missile léger, c'est du loot ça? Non, go démonter, ça m'intéresse pas. En fait c'est bien fait parce que les flèches sont plus grosses si l'ennemi est plus proche. Ah franchement, je suis saucé par ce jeu, hein. Il est vraiment cool. Ouais, pareil, Vargas. Enfin, surtout Subnautica Below Zero, l'autre m'intéresse sans plus, qu'on va dire. Très
très très bonne pioche. Je le mettrai dans ma liste de souhaits ce jeu là et je l'achèterai je pense quand il sera en promo ou quoi. Ou alors j'en ai peut-être le 2. Peut-être que je contacte les devs pour voir le 2, quand est-ce que ça sort tout ça. Pourtant d'avoir tapé juste, bah ouais bah là franchement ouais c'est... Bah y'a tout qui me plaît en fait tu vois, genre le côté roguelike, amélioration des vaisseaux, le... Ah putain le... Le gameplay est arcade, rapide à prendre en main. Non non franchement. Mais tu vois genre là, il veut que je me barre, mais on est d'accord que sur mes détecteurs j'ai rien trouvé, mais si je me balade je trouve des trucs. C'est parce qu'en fait j'ai des détecteurs de clodo, on est d'accord. Ces giant shipwrecks, what are they? Colonial fleet warships overwhelmed by Okar fighters during the war. You will find such wrecks scattered throughout the demilitarized zone. Ouais voilà c'est ça, du carburant, des trucs à récupérer quoi. Il y est sur Keymailer, Everspace 2 Vargas. Ah. Parce que je crois qu'il n'y a même pas de date hein, pour Everspace 2. Il y est plus... Ah, il y a été. D'accord. Ah t'as une clé pour Everspace 2, nice. Salut Toar Baldur. Ah tu parles du premier, ok. Il y a un marchand, en effet. Faudrait des nanobots, en fait les nanobots c'est un peu la vie quoi. Littéralement j'ai envie de dire. Bienvenue à toi Toar. Quelqu'un qui a le mot Baldur dans son pseudo c'est forcément quelqu'un de bien. J'ai peur pour Baldur's Gate 3 hein, je vous avoue, quand j'ai vu tous les assets de Divinity 2, mais bon, on verra. Est-ce que tu échanges... Ah putain, il échange pas de nanobots, c'est terrible. Bah quand même, Baldur's Gate c'est... T'as pas beaucoup de gens qui ont la ref. Ou alors ils l'ont mais ils le disent pas quoi. Bah c'est ça quand même, Baldur c'est ultra connu quoi. Après ultra connu c'est évident pour nous tu vois. Quand tu connais un truc c'est... ça paraît évident. Enfin pour moi c'est tellement un jeu légendaire quoi. Ouais ouais. Bah en fait moi ce que j'espère de ce que j'ai vu pour Baldur's Gate 3, j'espère que comme c'est une présentation early, j'utilise les assets de Divinity 2 en attendant. J'aime beaucoup Divinity, c'est un très bon jeu mais les assets de Divinity correspondent pas à l'univers Baldur's Gate pour moi, qui devrait être beaucoup plus sombre. Another sector and a high probability of increased hostile encounters. Ok. Y'a un boss. Y'a un crâne. Élite éclaireur. On va direct lui lâcher un missile dans le fion. Ok, bon bah le mec de l'élite on lui a lavé le cul, après on est aidé par nos potes là, mais bon. Non, en vrai c'est trop bien d'avoir des copains là. Faut que je love plus les ennemis je pense hein. Piratage de drone. Wouh. Non je suis au clavier souris là. Et ça se joue très bien clavier souris hein. Piratage de drone. J'ai pas trop envie. On va le démonter hein. Sans parler de la sombre étude de l'univers, déjà ils ont dit ok Baldur's Gate 3 ça va être un combat au tour par tour. Avec ça j'ai envie de hurler. Ouais bah ouais normalement ça devrait être de la pause active. À la Pillar of Eternity en vrai hein. Pour ceux qui connaissent pas hein. Baldur's Gate. On verra, mais ouais. Après l'Ariane, tu vois, ils ont fait quand même des bons jeux, mais j'ai peur que ce soit un bon RPG, mais que ce soit pas un bon Baldur's Gate, tu vois ce que je veux dire. Bah, ça me gêne pas non plus que ce soit au tour par tour, mais tu perds l'essence de Baldur's Gate. Tu vois, c'est ce que je viens de dire, tu vois, ça va être sûrement être un très bon RPG, mais est-ce que ça va être un bon Baldur's Gate? On sait pas, après c'est vachement early, donc on en sait rien, mais... Ou alors qu'ils laissent le choix comme ils ont fait dernièrement sur Pillars of Eternity 2, tu vois, tu peux jouer soit en direct, soit en tour par tour, quoi. What? 945 crédits. Ok. Très bien. C'est juste une mécanique. Bah ça change quand même vachement le gameplay hein.
Ça change quand même énormément le gameplay. Hein. Du coup, cristal exploitable. Cristaux, c'est cool, c'est pour les upgrades de shield, entre autres. Sûrement d'autres trucs. Hein. Ouais, le jeu est vachement beau, ouais. Aucune idée, Vargas. Ça, c'est les règles papier, quoi. D'après ce que j'ai compris. On a une caisse à outils qui est juste derrière. Le jeu est très beau, ouais. J'ai hâte de voir les graphismes du 2. En fait, la DA, les couleurs, globalement, sont assez jolies, ouais. Tout est un peu bleuté, comme ça, c'est assez stylé. C'est une blague, elle est où cette caisse à outils? Elle est à l'intérieur en fait, c'est ça? C'est ça. Oh! Des nanobots! Yes, nanobots! Ah bah ouais, carrément. C'est, même le jeu, il sait que c'est rare, du coup, il s'excite quoi. Des nanobots à récupérer là-bas, on y va direct. Alors, c'est quoi qui est détruit sur notre boucle, sur notre vaisseau là? Ah bah c'est le générateur de bouclier. Ah bah voilà, go le réparer, nickel. Ouais. Écoute hein, on verra bien hein, pour Baldur's Gate, on verra bien. Ah, y'a du monde mais j'arrive pas à les voir. Ouais, il est 10h33. Je vais m'arrêter là pour ce jeu. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur le stream, hein, si jamais il y en a, aujourd'hui c'est mercredi et sur ma chaîne le mercredi, je découvre les jeux proposés par la communauté au fur et à mesure des jours, hein, n'est-ce pas? Et donc ça c'est beau. En gros Divinity 2.5, bah, j'ai peur que ce soit ça. Ouais. Donc c'était Everspace, très bon jeu, la commu hein, bien sûr, la communauté. Hein. La communauté. Et donc, Next Game. Next Game est un jeu. Le prochain jeu est un jeu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est le jeu qui apparemment a le plus de chances de pas me plaire. Le jeu s'appelle Cluster Truck. Je ne connais pas, et tout le monde était en mode, au secours, ça risque d'être un jeu qui est de la merde. Le prochain jeu, c'est Star Citizen, évidemment, hein, bien sûr. Ce n'est pas un jeu vidéo, tu devrais le savoir. Hein. C'est juste une démo. Merci Néo pour le tips, hein, pour les 9 nanobots. Mais il était l'heure de m'arrêter. Salut Kenrix. Comment ça va, monsieur Kenrix? Ça va être drôle, 5 minutes, cluster truc. Bah écoute, on verra. C'est Grobid qui a proposé ce jeu, en effet. Je vais le lancer, je regarde mes messages parce que bon, vous savez que je suis une star internationale qui a beaucoup voilà, de messages. Alors attendez, je réponds à ma waifu quand même. Hein. C'est nul à chier, bah je sais pas, hein, les gens m'ont dit oui, c'était de la merde, donc je sais pas, on va voir. Hein. Donc c'est parti pour Cluster Truck proposé par l'ami Grobid. Deuxième jeu de cette journée découverte. Et demain, je le rappelle, hein, donc demain, ça va être le stream sur... donc là, aujourd'hui, chaque chose en son temps. Toute la journée d'aujourd'hui sera dédiée à la découverte de vos demandes. Absolument, Azapogie. C'est depuis que j'ai déménagé, je suis là. Donc aujourd'hui, ça va être tous les jeux proposés par la commu, hein, par la Nerds Family, bien sûr. Et demain, on va faire... Demain matin, on va faire un live sur le jeu... qu'on a découvert il n'y a pas longtemps sur une vidéo... comment il s'appelle déjà le jeu? Le jeu où on joue en mode Tropico, mais version Baron de la Drogue, là. Attendez, je regarde mes mails parce que j'ai eu la clé. Cartel Tycoon, voilà, c'est ça. Demain, on joue à ça, et l'après-midi, on jouera au nouveau DLC de Prison Architect. Mais ça, c'est le plan pour demain. Donc je suis assez hypé pour les streams de demain, hein. C'est deux jeux qui m'intéressent beaucoup. Prison Architect, je sais que c'est une bonne pioche, Cartel Tycoon, on va voir ce que ça vaut. On va voir. Je lance Cluster Truck et j'ai peur. Messieurs, j'ai peur. On va changer le jeu avant que le chat nous engueule. Et donc ce jeu-là, apparemment, ça risque d'être compliqué pour moi.
C'est le jeu qui a l'air de... Voilà, les gens m'ont dit, tu as pas aimé. Alors, ça commence bien, Clusterfuck ne répond pas, on va attendre. La suite de The Long Dark, c'est prévu quand? Alors, demain, du coup, c'est les streams que je vous ai dit. Vendredi après-midi, c'est la suite du tournoi. Je casse les games du tournoi Total War Warhammer 2. Et vendredi matin, on peut... Alors, je sais pas si en une matinée, je vais pouvoir avancer le chapitre 2. Mais je pense vendredi matin, donc, pour la suite de Long Dark. Écoutez, allons-y. Alors, le son va être sûrement être trop fort, donc on va direct aller dans les options et on va baisser le son. Ah, j'ai vu qu'il y avait un vote Twitch. C'est terrible. Twitch config. Enable, oui. Je génère un token. Attendez, je me connecte. S'il y a de la touche intégration, voilà. Twitch username Leinarts. Ah, je suis encore en QWERTY, spoiler. Get, insert the alt, Twitch, check. Ok, enable, ok. Alors, ça devrait être bon. Pas de mage là-dedans? Ça devrait être bon. Eh bien, allons-y. Play. Je sais pas du tout ce que c'est ce jeu, Ability. C'est quoi, c'est un roguelike? Alors, quand vous me faites vos demandes de découverte, je regarde pas du tout c'est quoi les jeux. Moi, je les achète et je les découvre avec vous. Enfin, voilà, je découvre. Bon, de toute façon, on a 0 points, donc on verra plus tard. J'espère que le son, c'est ok. Bah, go campagne, hein. En QWERTY, what the fuck? Alors, il y a un vote. Alors, en haut, il y a un vote pour vous. Démerdez-vous pour le vote, hein. Space to jump. Hein? Shift to sprint. Ah! C'est pas clair. Le son c'est ok, c'est pas trop fort. C'est trop fort. Attends, je vais baisser directement sur le mélangeur Windows. C'est mieux là? Ou pas? Attends, le gameplay est chelou quoi. Quand je suis sur le côté. Mais c'est ça le jeu? Je dois passer de camion en camion? Mais qu'est-ce qui m'empêche d'attendre là comme ça? Ah merde, j'ai fail! Ok. Et du coup, vos votes, ça fait quoi là? Nope, laser truck. Ah! Ah! Merci Nope, hein. D'accord, ça fait partie de ces jeux qui sont beaucoup plus faciles avec la touch intégration, c'est ça? Ah, grâce à Nope, on finira. Ah non, le niveau est terminé, très bien. Ce jeu mobile, j'avoue. Attends, mais Nope, là, il a voté pour ses lasers de ses... Ah non, ok, il y a une barre en haut qui montre quand est-ce que ça s'arrête. Mais j'ai l'impression, en fait, que je peux sauter sur les côtés du camion et remonter. Ça fait très genre... I wanna be the guy. Enfin, tu sais, genre... Tu sais, c'est genre ces platformers de ces morts où tu meurs en boucle, là. Wouah. Allez, votez plus pour les lasers, les gars, hein, c'est impossible. Hein. Ah,
Après, je suppose que si tu... Tu tryhardes, il y a moyen... Attends, je vais tester un truc. J'essaie de me mettre sur un côté de camion. Oh, what the fuck. Ok. Ah, il n'y a plus de laser. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Alors, spoiler, on va pas jouer à ça pendant 2 heures. Hein. Ah ok, il y a les votes là-haut. Et le nombre de petits carrés, donc tout le monde veut les Bouncy Trucks, c'est ça? The Doomslayer. The Doomslayer. Et du coup, on peut récupérer des skills. Là, tout le monde veut les Bouncy Trucks, hein. Tout le monde veut les Bouncy Tits. Pardon, petit lag. Tout le monde veut, voilà, les camions qui rebondissent. Hein. C'est un peu migrant simulateur ce jeu. Hein. On est un peu à Calais là. Hein. Enfin non, vu la gueule en fait, on est plutôt, on est encore en Afrique. Vu le sable. En fait, j'ai juste envie de voir quand est-ce que je déverrouille un skill, ce qui se passe quoi. Pardon, je glisse un peu. Excuse-moi, chat. Je vais faire courir, moi, tu vas voir. Oh, ça passe. Petit lag du streamer, hein. Désolé. Hein. Monsieur Biggie, Bouncy Truck. Monsieur Biggie, c'est à toi de jouer. Ah oui, d'accord, ok. C'est des trampolines en fait. C'est pas clair, hein. Et quand est-ce que je sais quand j'ai un point de skill? Je dois faire quoi? Bah j'en sais rien, je pense rien, hein. C'est juste que c'est ton vote à toi qui a été choisi. Je pense que ce genre de jeu plairait bien aux mecs qui aiment bien faire du surf sur CS quoi. Tu dois t'abonner T3, c'est ça, bien joué. Tu as été désigné pour perdre ton argent. Ah, j'y croyais hein, mais non. En tout cas, je suis content que Groby nous ait fait découvrir ce jeu. Hein. Wow! Mec, je suis passé au-dessus, je suis deg. Ah, merci Biggie! Là, il le faisait tellement, ça, à l'époque, les gens. Non, 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 jamais je passe 2 heures là-dessus. Hein. On fait... En fait, j'aimerais bien juste voir la première, le premier skill et puis après on skip de jeu. Hein. Avec la bonne musique en fond, ça peut être amusant. Ou peut-être avec beaucoup beaucoup de jus de fruits. Hein. Min-max. Qu'est-ce que c'est min-max? J'ai passé au moins 2 heures sur le dernier niveau de ce jeu. Ah mais t'as vraiment joué? Ah t'as eu le courage de le finir Smarties ce jeu? Parce que là on y joue depuis... Wow, qu'est-ce qui se passe? Je comprends du coup les réticences des gens pour ce jeu, hein, ceux qui connaissaient déjà. Après voilà, je peux voir l'aspect skill, tactique, on rush, enfin tu vois, genre je peux comprendre l'intérêt du jeu, mais c'est pas pour moi quoi. Une vidéo sur le YouTube de Smarties évidemment, Smarties Gaming, pro du poker, en chemise, en live tous les soirs. Ouais bon voilà, bah c'était un bon jeu hein. C'était un bon jeu. Très bon jeu hein. Merci beaucoup pour cette proposition. Merci hein. Merci Grobid, merci beaucoup. Next game. Il nous reste encore pas mal de jeux hein. The next game is a game. Le prochain jeu mesdames et messieurs,
s'appelle Unrailed, que je ne connais pas non plus. Alors on m'a dit oui, il faut y jouer en multi, tout ça. Alors moi vous savez que j'ai pas d'amis dans la vraie vie, hein, c'est pour ça que je stream. Donc du coup si vous avez le jeu, eh bien n'hésitez pas à rejoindre. Unreal, je ne connais pas. Katsumi fait sa session gym encore. Bah tous les jours hein, de la gym. Hein. Jouons à Unreal, mesdames et messieurs. Incroyable. Rage Quit. Ah ouais, non mais mec, je peux pas jouer 3 heures à ça, c'est impossible. Impossible. Alors Unreal, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être trop, bah, tu m'étonnes. Des petites photos dédicacées. Appuie sur espace pour rejoindre la partie. Ah! Ok. Putain, mais c'est quoi ces jeux de ces morts là? Attends, ça a été proposé par qui ça? Par Camisole. Camisole qui n'est pas là, hein, mais c'est terrible. Hein. ZQSD pour marcher, H pour modifier votre apparence. C'est quoi, c'est Minecraft? Voilà, j'aime bien être un petit bâton de berger. Non, je sais pas ce que c'est, j'ai un truc dans les cheveux. Commencez la partie! Bon, le menu est intéressant en tout cas. Espace, ok. Jouer le tutoriel. Génération de la carte. Essayez de déplacer votre personnage avec le stick analogique gauche. Alors, je suis sur un clavier donc ça va pas être évident. C'est une tenue de marin, ouais. Appuyez sur Shift pendant que vous bougez pour sprinter, ok. Ah, c'est un burst. Pour fabriquer des voies, il vous faut du bois et du fer. Prenez la hache avec espace et abattez un arbre. C'est vraiment Minecraft, hein. Incroyable. Ok, ça se fait tout seul. Maintenant, faites la même chose avec la pioche. Placez le bois et le fer dans le wagon de stockage pour que le wagon d'assemblage fabrique un tronçon. Ok, je fais tout avec la touche espace hein, jusque maintenant. Posez mes outils en bas, on n'est pas des animaux. N'est-ce pas? Pour faire une voie sur la rivière, il faut un pont. Prenez du bois. C'est le jeu de la déportation. Ah! Bravo hein. Le jeu c'est de faire courir les requins. On aurait pu faire un passe au requin. Putain, le chat très dissident, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Attendez, je coupe du bois. Ok. Khan, au secours! Forcément. Ah, mais j'ai pas vu le petit tri rouge. Attends, mais c'est un jeu mobile, ça, non? Dissident! Dissident! Mec, c'est un jeu mobile 100% ça. Ok. Ah, le train surchauffe, au bout d'un moment, il brûlera. Faites un pont pour atteindre le seau que vous remplirez la rivière. Alors, je sais faire un pont, hein. Voilà, moi je suis un expert, il faut récupérer du bois. Ensuite, on en met là. On récupère le seau, on récupère de l'eau. Allô? Ah non, le... Ah oui, il y a une barre, j'avais pas vu. Ok. Utilisez maintenant le seau pour éteindre le feu. De toute façon, tout se fait tout seul dans le jeu, donc... Ok. Pourquoi? Pourquoi me conseille-t-on ce jeu? En vrai, on va pas juger hâtivement. Ça va, Sidjirion? Grave. Pour communiquer avec votre équipe, mais je suis tout seul, utilisez la roue des emojis. Je suis voilà, emoji pouce jaune. Ah non, je fais pouce vers le bas. Si le train atteint le bout de la voie ferrée, la partie est terminée, bonne chance. Ah mais si vous avez le jeu, rejoignez hein. Achetez une rail, venez jouer avec moi hein. Si on peut faire tout le jeu en multi, local. En ligne. En ligne?
Ah mais d'accord, genre le jeu c'est en ligne quoi qu'il arrive quoi. Enfin c'est local ou en ligne, y a pas le choix. Bah go en ligne hein. C'est mort, plus jamais je lance ce jeu. Ah! Vas-y, go Europe. Allô? Région Europe, oui. Partie aléatoire. Ah, on va jouer avec les petits amis d'internet, hein, bien sûr. On va tout laisser de base parce que je connais rien au jeu. Ah voilà, l'idée de la session, hein. F8G54. N'hésitez pas à rejoindre la game, hein. En vrai, tu peux le prendre et faire un refund gratuit, hasard. Go jouer avec des randoms. Permettre aux joueurs aléatoires de rejoindre la partie. Bah écoute, il peut y avoir des randoms qui join. Hein. Écoutez, lançons la game. Commencez la partie, placez-vous ici. Je suis placé ici. Il ne se passe rien. Peut-être parce qu'il faut être deux, c'est qui lui? C'est un robot? On peut rajouter des bots? Bah vas-y, join Biggie hein. T'as l'idée de la session là. Faut être deux obligés. Ah! Écoutez, Biggie arrive, il va nous carry. Fais une partie privée sinon. Attends, attends, Biggie arrive. On peut attendre 30 secondes, chat. Je sais que vous êtes. Vous en pouvez plus, vous voulez voir le gameplay de ce jeu, mais on peut. Voilà. On peut tranquillement attendre. Biggie arrive, il va nous carry. Oui, tu peux faire ça, Yoshi. Je sais pas combien on peut jouer maximum sur une carte. 30. Ok. Vous avez ce qu'il faut là, idée session, je pense que vous avez ce qu'il faut pour rejoindre. Le jeu c'est Unrailed, c'est écrit juste au-dessus. De ma webcam ou. Voilà voilà hein. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café en vrai. Re Grobid. Crac Grobid, t'as raté ton jeu Cluster Truck hein. On s'est beaucoup amusé. Tu te rappelles hier quand t'étais en manque de club et que t'avais envie de tuer quelqu'un? Bah c'était un peu pareil. Donc merci d'avoir partagé ce moment. Par contre Everspace c'était cool ouais. Complètement. Grobid. Et y'a le 2 qui sort bientôt. Bah la session elle a duré combien de temps? Un quart d'heure. En même temps vu la gueule du jeu De toute façon Grobid il s'en fout. Il a doudoufous infini jusqu'à encore demain donc Bon vous arrivez à join les gars ou ça se passe comment? Sinon on regarde ce truc là pendant une heure hein. Moi ça me va hein. Ah monsieur, monsieur Biggie le pingouin. Attendez, je peux changer mon skin. Ah voilà, je suis l'homme au pain d'épices. Pain d'épices mal, man. Bah demain c'est jeudi. Bien jeudi demain. Putain, j'ai 1 milliard de notifs. Terrible. Bon bah allons-y, lançons la partie à 3. S'il y a d'autres gens qui veulent join, de toute façon c'est ok. Putain, 135 de ping, c'est quoi cette histoire quoi? Allez go, on commence. Unlimité d'avis, ah bon? Ah les conditions du contrat ont changé. C'est bon Yoshi, tu t'amuses? Quel troll quoi. Alors, peut-être qu'à plusieurs c'est rigolo hein. Dans le mode infini, tentez d'aller le plus loin possible. Oh là il met du fight. Je suis pas un épice man hein. Je construis des rails les gars. Attends mais ils m'ont piqué les outils. Moi j'ai pas d'armes. Très bien. Oh là bon. Ah ok s'en craft. Ah mais s'en craft plein. S'en craft 3 ok. Vite le train avance. Bon moi je m'occupe de charger ça. On va remplir le seau d'eau. Voilà y'a un seau d'eau près si jamais ça brûle. Bad guy ou pas? Ah non, c'est juste des viewers dissidents. Ah mais attends, putain, moi il faut que je craft.
Ah là là, attendez, attendez, c'est moi l'architecte de ce groupe. Ah, vite! Récoltez les ressources, je m'occupe du craft. Je m'occupe du craft, vous en faites pas, je suis un expert. Il faut du bois. Ok. Oh là, c'est pas clair, putain, c'est déjà la panique. Au secours! Faut plus de bois. Bah attends, mais il faut aller où là? Il faut aller par en bas? On peut passer. Ah, mais non, mais on peut passer à travers le. J'ai rien dit. Ah, putain, c'est le jeu des APM en fait, qui l'eût cru? Hein? C'est le jeu des APM, mesdames et messieurs! Oh là, mais je m'en sors pas là, c'est terrible! Le pont, vite! Ah putain, mais on peut se bloquer en plus! Parfait! Ok, y'a d'autres planches qui arrivent. Les gars, on est dans la merde. Il faut. Mais on a pas assez de bois? Et comment on fait quand on a pas assez de bois? Oui, c'est la fin! Ah mais je peux même plus rejoindre là où il y a le pont. Est-ce que c'est beat? C'est la fin. Ah, au feu! Mais mec, c'est fini là. Ah mais il fallait faire. Mais non, c'est pas fini. Go ici, beat, go miner en bas. Ah mais j'avais pas compris qu'il fallait faire des petits ponts. Bon, c'était le premier train, mesdames et messieurs. Bon voilà, c'était le premier train. Alors, en vrai, tout de suite en multi, c'est tout de suite beaucoup plus marrant. On va essayer à nouveau. Attends, mais pourquoi il y a 12 MS lui? On peut lui parler? C'est un bot? Bonjour, qui es-tu? J'en sais rien. Le fameux train de la hype, hein, il est là. Allez, c'est parti. Bon, ce coup-ci, on va mieux, C'est un peu un overcook, en fait. C'est ça, l'idée. Bon, vas-y, je casse du caillou. Comment on casse? C'est pas automatique? Ah non, y'a que ça qu'on peut casser? Ok. On va se faire un petit stock de pierres. Ok, bon, c'est Yoshi qui a la hache, hein. Ah non, c'est bon. Mais en vrai, le train, on pourrait le faire passer par en bas, non? Ah, mais on peut en mettre plusieurs. Attends, je peux ramasser plusieurs bouts de. Ah, mais putain, je peux ramasser plusieurs bouts de bois. Plusieurs trucs, on a compris. Je masscrave des rails. En vrai, c'est sympa en multi là. Tu veux aller par où? Par en bas? Ok, go par en bas. Alors, le saut, je vais le mettre en bas parce que sinon. Ok. Ah non, c'est des rails qu'il me faut, terrible. Ok. Attendez, on va couper les arbres. On va chercher le truc jaune en bas à gauche. Ok, faut chercher le truc jaune en bas à gauche, il a dit Gagaro. Ça brise, ça va être un truc cool, c'est vrai. Il y a un petit canard dans l'eau aussi, hein. Ah merde, je crois que j'ai eu du bois. Pardon. Attends. Attends, mais on est niqué là. Faut qu'on fasse un pont. Pour revenir. Putain, ok.
Ok. En fait, faut pas s'enfermer, quoi. On a plus de rails en production. Non, en vrai, en multi, je trouve ça sympa, hein. Non, le chat juge. Est-ce que le chat juge? On va redécaler le saut. Putain, ça c'est full. Tac. Ok. Oh, je vais me retrouver coincé. En multi, non, c'est stylé, hein. Cela vaut-il les 16 balles? Oh là là, le train en feu, vite! Ça, c'est moins sûr. Hein. Après, s'il y a beaucoup de niveaux et que... Franchement, s'il y a beaucoup de niveaux, pourquoi pas, hein. Il faut aimer les party games, quoi. Faut aimer jouer avec d'autres gens, quoi. Si vous êtes quelqu'un de social, pourquoi pas. La pioche, on a besoin de... Ok, on a besoin de pierre, let's go. Ah putain, mais on se bloque, putain, quelle horreur. Du coup, c'est un stack de combien qu'on peut déplacer? Que de 2, on est d'accord, hein. Ah merde, c'est déjà full. Non, tu vois, est-ce que je me vois jouer à ce jeu pendant 3 heures? C'est pas clair, quoi. Oui, je suis en mode infini, mais le niveau, le décor du niveau, connard. Bah, go remonter, hein, pingouin, hein. Faut passer par en haut, hein. On va pas pouvoir traverser ça, de toute façon. Ah, c'est procédural, donc il y a niveau infini, quoi. Ok, par seed, ok. Ah oui, il y a écrit en haut, souche, j'avais pas vu. Au feu! J'adore la panique, tu sais. En fait, c'est trop le jeu des APM, hein. Attends, mais on va où là? Ah, mais ok! Ah, mais d'accord, ok, j'avais pas vu la gare là. Très bien, j'avais pas vu la gare. My bad, excuse-moi, chat. On va remplir le seau d'eau. Au cas où, hein. Je mets le seau d'eau à droite. Voilà, on est bon, non? Un petit peu de bois et on est good, quoi. Esport Unreeling, c'est ça. Bientôt le tournoi Unreeling sur la chaîne, hein. Pourquoi s'emmerder à faire des tournois sur Total Warhammer, hein. Moi je suis pas un épiceman. Et on a Biggie et Yoshiki dans l'équipe. Au feu, au feu! Vite! Je suis pas un épiceman. Et je suppose qu'il y a de plus en plus de défis qui nous attendent. Attends, mais en gros il faut de la pierre là, non? Ah non, c'est du bois qui manque. Attends, on va se retrouver coincé comme des cons là. Oh là là, attends, ça va être totalement chaud. Pourquoi il neige? What the fuck? Et bah voilà, on termine le premier niveau. Incroyable. Putain, il faut... Oh, mais il y a des améliorations! Salut Badiro! Ah, mais c'est toi qui as posé la question, Badiro, j'ai même pas eu le temps de voir. Ce jeu demande tellement d'APM, tu sais, c'est incroyable, hein. Vous pouvez dépenser vos vis pour améliorer le wagon. Apparemment, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Vitesse de fabrication, plus 60%. Taille des stocks, plus 2. Acheter le nouveau wagon. Hein?
Produit dynamite après. Hein ? Nouvelle locomotive ou nouvelle loco ? Ah, en fait, c'est le tuto. Mais laisse-moi faire ce que je veux, jeune mort. Au secours ! Alors, qu'est-ce qu'on prend en vrai ? Mais une nouvelle locomotive, c'est de la merde, non ? Parce que ça va plus vite ? Loco à vapeur amélioré pour le Grand Ouest. Là, il est complètement hypé par le jeu. Mais alors, c'est marrant, joueur multi. Salut, crack ! Pas maintenant, la loco. Re, Dexter. En vrai, le truc qui améliore la production, je pense que c'est le must. Hein. Le must have. Voilà, upgrade de ça. Oh ! Un lit, what the fuck ? Taille des stocks plus 2. Augmente votre force pour chaque animal que vous rapportez. Stock la matière première. Ah mais de toute façon on peut plus là. Je peux plus rien prendre. Ah si, je peux prendre ça, what the fuck. Produit de la dynamite. Ah, il comprend rien. Ça je peux pas le prendre, je sais pas pourquoi. La musique d'ascenseur. Ça fait plaisir de te voir avec autant de gens qui te regardent. Long path since XCOM. Bah tu m'étonnes, oui, crack. Depuis XCOM, ça fait longtemps. Mais oui, c'est cool. La chaîne se porte bien et ça me fait plaisir. En même temps, là, j'ai dédié... Je suis streamer à temps plein depuis 2 mois, donc... Bon, je peux rien prendre d'autre, hein. Je pense qu'on est bon, hein. Je peux rien ramasser d'autre. Qui c'est qui est en love d'un voyou ? Ah, c'est toi, Yoshi, en love d'un voyou. Ah putain, mais on reprend là direct ! Au secours ! Ok. Attends, mais les outils, ils sont où ? Oh, y'a masse bois, là. On va ramener du bois. Il nous faut plus de pierre, en vrai. Hein. On a de la pierre, là. Donc, si vous... Voilà, moi, je suis pain d'épice man. La musique est forte dans mes oreilles. Hein. Vous me dites si vous voulez que je baisse le son du jeu. Je viens de baisser pour moi. Ah là là ! Oh là là, le saved. Attends, mais du coup, il faut scout. Oh, ça va être chiant. Je sais pas si j'aurais dû faire ça en vrai. Hein. Ah, c'est la débandade. Faut couper les arbres à droite. Attends, attendez, je peux remonter. Voilà, on va à droite. Le joueur français qui panique. Mais ça, c'est déjà full en fait. C'est de la pierre qu'il nous faut. Ok. Mec, les rails à droite, ça va être tout à fait chaud. On va se retrouver bloqué, il faut faire un deuxième pont vers le haut. Hein. Ah putain, mais y'a le feu au plus! Y'a le feu, Yoshi, y'a le feu! Mec, mais il est impossible ce jeu! On est à 3, on est à donf niveau APM et on va mourir. Et on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué. Mais plus fort, stop, la musique en boucle. La boucle musicale, oui, oui. De toute façon, on est mort. Ah non, il était pas mort! Ah putain, attends! Ah bon, on est totalement mort. Putain, mais y a que Mr. Biggie qui avait anticipé. Je peux pas te le lancer? Prends! Coupe les arbres! Coupe les arbres en haut, vite! Je t'apporte les rails, vite! Mais Biggie, vers moi, il est bête! Vers moi, vite! Pousse-toi, il me bloque, j'y crois pas. Oh là là, ce saved! Saved! Voilà, maintenant on est dans la brume terrible. Voilà, c'était un passage délicat. Attendez, je produis de la dynamite. Ah, mais y'a le feu! Attends, par contre, c'est le jeu où je peux pas regarder le chat. Hein. Si vous voulez m'insulter, c'est le moment. Hein. Ok, alors attendez, je dépose le pseudo à droite. Putain, c'est un effort de groupe terrible, hein. Bien fait, ça. Calmez-vous. On a de la pierre, là. Pff,
Oh mais mec, c'est tellement chaud. J'ai de la TNT hein. Y'a de la TNT. Vas-y, moi je vais jouer avec la TNT hein. T'as pas le temps de mourir. Dis-moi putain. Dis-moi putain. En vrai la TNT c'est vraiment utile là ou pas? Attention. Attention TNT. Mais c'est de la merde. Mais c'est trop de la merde cette TNT, au secours. C'était quoi cette explosion de nouveau-né là? Ah, attendez, on ramène tout. Regardez ce. Voilà ce team play hein. Incroyable, ce team play incroyable. Et quand il y a plus de musique, c'est angoissant. En fait, quand il y a la musique, elle casse les couilles. Et quand il y a plus de musique, c'est angoissant. Ah mais ouais, l'explosion, c'était nul. Hein. Attendez, je mets la hache à droite. Mais on a perdu la hache ou pas? Qui c'est qui a la hache? Elle est où la hache? Je crois qu'on a perdu la hache. Avec man, possible. En même temps, voilà, c'est facile. Ah voilà, c'est bon. C'est facile quand on regarde, hein, voilà. C'est comme pour la baise, hein, c'est facile de regarder, mais quand on doit faire, il y a plus personne. Hein. Ah, pardon, petit lag. Il manque de la pierre. C'est sympa, mais je trouve ça épuisant à jouer. Hein. Alerte au cocol. Alerte au cocol, les enfants. C'est épuisant, je trouve, à jouer. Hein. Il faut être au taquet tout le temps quoi, y a pas une seconde de répit quoi. Oh là là, des succès! Les succès Steam hein! Attends, mais là tu vas te retrouver bloqué? Eh bien voilà! Cool cool! Incroyable, mesdames et messieurs! Ah par contre il va falloir choisir les upgrades avec précision là. Je pense qu'ils sont juste là pour nous bloquer les Men in Black sur la route. Ah là c'est facile là. Damn. Mec pour moi c'est pas facile là. Je suis en stress du cul mais moi aussi quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis Aza? En plus je me retouche en lisant ça, terrible. Qu'est-ce qu'il nous faut là? En fait, je pense que rien d'explosion x2. Je pense qu'il faudrait plus de stockage. Hein. Attends, on a combien de points en fait? Ça coûte 2. Ah, il pique des ressources, très bien. Ah, mais ça l'upgrade! C'est ça, hein, on est d'accord, je l'ai upgrade ou je l'ai remplacé là? C'est pas clair. T'as des stocks plus 2. Ça il me dit pas ce que c'est. Un nouveau wagon. Stop le train pendant un court moment. Oh! Mec c'est trop bien ça. Ah attends, en vrai on veut le mettre devant non? Bon, on va mettre au milieu parce que j'arrive pas à mettre devant. Ok, ok. Là, je peux plus rien prendre. Hein. En fait, c'est un de chaque, c'est ça? Non. Bon, c'est pas tout clair, mais dans tous les cas, voilà. Nous allons win. La locomotive, ça change le monde. Il y a des vis en haut à gauche. Ah, c'est les vis qui permettent de... Ah, mais c'était ça qu'on pouvait récupérer sur le niveau tout à l'heure. Oh putain, vite, y'a pas le temps de niaiser là. Alors, en vrai, go passer par en bas. Oh, hein. Oh, alerte au gogol. Go passer en bas, les gars. Hein. Y'a que de la forêt à couper, c'est easy au lieu de s'emmerder. J'avais pas vu qu'il y avait des vis en haut. Terrible. Hein.
C'est pas un truc de vieux ça d'aimer les trains? Y'a pas genre vos grands-parents qui disaient... Alors moi quand j'étais petit j'avais un petit train électrique, c'était le meilleur jouet du monde. Y a une histoire comme ça hein. Ouais je pense que c'est le jeu de l'anticipation. Il faut prévoir, tu vois. Et ça du coup comment on fait en sorte qu'il s'arrête le train alors? Pas clair hein. Là je le sens bien là. Oh y'a le feu. Attends mais y'a pas d'eau, c'est quoi cette bite? Biggie, ouvre-moi vite, il me faut de l'eau, vite. Il faut de l'eau vite. Ah bien joué. Bien joué Yoshi. Un fan de grue. Putain mais mec grutier quoi, c'est pas le pire métier du monde quand même. Enfin moi qui ai le vertige. T'es dans ta cabine là-haut là, en plein soleil. Je suis sûr qu'ils ont la clim là-haut. Et y'a pas un délire, ils font des genre des arrêts cardiaques ou des trucs comme ça, des grutiers. Y'a pas une histoire comme ça. À cause de la hauteur ou j'en sais rien quoi. Attendez, il faut plus de craft, Oh non. J'ai réussi à les poser juste à temps quoi. Ah tu dois avoir une bonne condition physique du coup en faisant ça. Monter tout ça à la mano. En fait le truc c'est qu'il faut pas avoir qu'un seul chemin de large, on va se retrouver bloqué là. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ok c'est une technique spéciale pour faire perdre du temps au train. On a rien vu, hein. C'est un petit détour, voilà. Un petit ok. En vrai c'est prenant. Après à regarder à vous. Vous êtes le juge hein. Oh non ça recrame. Ça recrame. Vite. La pioche. Le seau il est en bas. Putain on a oublié de ramener le seau. Attends faut que je ramène la pioche. Faut que je ramène le seau. Mais pousse-toi, putain! Quelle horreur! Ok, on a un seau d'eau préparé là. On va ramener un peu le bois. Ok. En fait, améliorer le stockage du train, c'est insanement fort quoi. Ah, ça y est, il fait nuit, c'est la merde. Mais. La TNT, par contre, j'ai pas compris hein. Vu comme c'est de la merde. J'avoue qu'une intégration de Twitch ça pourrait être si. Il y en a pas hein. Vous confirmez qu'il y en a pas des intégrations de Twitch là-dessus. Ça pourrait tout à fait être le type de jeu avec des intégrations de Twitch. Hein. Y'a le feu, y'a le feu! Ah non, c'est bon. Attends, le feu il s'éteint tout seul? What? Ah oui, ok, on arrive au bout. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Le train accélère de ouf. Ouf. Putain, par contre, c'est... J'ai jamais fait un jeu aussi demandant mentalement. Hein. Terrible. Hein. C'est stressful, c'est ça. La locomotive? Allez. Donc c'est quoi? C'est... Ah non, je peux pas la prendre la locomotive, hein. Mais non mais ça coûte 4 vis, qu'il est bête. Il faut économiser en fait.
Si on veut la nouvelle locomotive, il faut économiser. Ou alors, on claque des trucs pour avoir... Oh ! Récolte automatiquement les ressources proches. Comment tu veux te fatiguer, tu fous rien. Essaye d'animer un stream, lire un chat, jouer à ce jeu. Voilà. Terrible, hein. Biggie qui juge, hein. Le stockage de liquide. Moi, je propose qu'on fait rien sur cette game-là et qu'on économise pour avoir la nouvelle locomotive après. Ah, mais ça juge beaucoup, hein. C'est stream de jugement, hein, bien sûr. C'était une blague. Tu crois vraiment qu'on est là pour faire des blagues ? On est là pour être le top Europe de Unrailed. Prends le truc de ramassage auto. Ah bah tu peux le faire, bah voilà, parfait. Alors par contre, remplace la TNT, c'est de la merde, non, la TNT. Peut-être c'est fort si on l'upgrade, mais de base c'est de la merde. Salut Camembert. Je pense toujours à Marine, mais quel rapport. Et pourquoi moi j'ai pas les cœurs d'ailleurs? Pourquoi t'as des cœurs et pas moi? Moi je fais thumbs up. Allez, let's go. GG. Comment je récupère ma saucisse s'il vous plaît monsieur? Mais je te l'ai dit hier, normalement t'as une roue à côté du chat qui te permet de changer tes badges de bits. Normalement c'est comme ça que ça marche. Mais comment ça je fais rien depuis tout à l'heure, j'étais au taquet quoi. On va ouvrir la voie. En fait faut ouvrir sur deux blocs quoi. Mais dis-moi là, j'ai pas le temps. Dis-moi putain. Tu vois comment je ne pourrais pas penser avec à Marine, tu vois. Tu trouves Camembert? Yoshi avait réussi à trouver la saucisse mais là il est dans le jeu avec moi donc je pourrais pas te répondre. Trouver la saucisse. Vous êtes pêché, hein. Non, t'as un roi juste à côté du chat, normalement, juste en dessous. À côté de là où tu parles. Mais au secours! Ah mais putain, mais il y avait des cailloux là, j'avais pas vu. Les gars, on va perdre le saut. Hein. On va perdre le saut. Attends, faut tout couper là, parce que c'est le bordel là. Merde, tu es une pistache. Bah oui, faut dépenser, hein. La saucisse c'est combien? J'avais envoyé sur le Discord hein, la saucisse. Pardon, pardon Yoshi. You cheer 100 bits. Allez. La petite saucisse, t'as combien de bits? Merci beaucoup. Mais pour oui, c'est clair. Je vais monter un peu le son du jeu parce qu'en fait, la musique m'avait tellement gavé le cul que j'avais baissé le son. En fait, faut déjà que je coupe là. Cramex, hein. Pour le boucherie, c'est le meilleur truc, hein. C'est Unrailed. C'est écrit là, c'est Unrailed le jeu. Un jeu coop où on fait des trains. Attends mais... Ah pardon, pardon. Oh ça a failli être le drame parce que je suis... voilà, à cause du chat. Aïe, attends, attends, il veut qu'on passe en bas. Go en bas, go en bas, ok. Mais là, là je suis là-haut. Ok, récupère l'âge. Au secours! Allô? Mais attends, il faut faire deux lignées, sinon on va se faire niquer. On pourra plus avancer avec le train. Putain, les noirs qui piquent les ressources, hein. Je suis pas trop d'accord avec la politique de ce jeu, mais bon. Je savais bien que la communauté de Noël était raciste, mais à ce point-là, je suis choqué, hein. Choqué et déçu. Il nous fait plus de pierres, non? On va récupérer de la pierre là-haut.
à la planète là où on est, oui, elle est infernalement dégueulasse quoi. Au secours ! John ! Bienvenue sur ce stream hein. N'hésitez pas à suivre la chaîne hein. Poussez-vous les vaches là ! Je vais faire courir moi, tu vas voir au rouquin là-bas. Ah mais les bâtards, regardez en bas, ils jettent du bois par terre. Pousse-toi. Faut que je récupère la pierre d'en haut, vite. Je suis pain d'épiceman. Mais attends, mais mec, il faut les tuer les mecs, ils sont en train de jeter tout le bois par-dessus bord là. Il faut tuer les gens de couleur. Bande de petits bâtards. Mais on avait pas acheté un truc qui était censé arrêter le train. Hein? Ah oui, non, mais t'inquiète pas, c'est pas un jeu qu'on fera sur la longueur, hein, mais voilà, là. Je vais pas relancer un jeu comme j'ai coupé le stream d'ici un quart d'heure, un truc comme ça. On reprendra cet après-midi les découvertes, on a encore plein de jeux à découvrir. Hein. C'est le mercredi, c'est le jour de la découverte désormais. Hein. C'est un rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne tous les mercredis. Grâce à vos doudouflouzes, on découvre des jeux. Et ce qui est bien, c'est comme une quantité de jeux infinie, on peut découvrir des trucs infinis. C'est une bonne série, hein. On aime bien. Pardon, pardon Badiro, pardon. Ah mais c'est déjà passé Cluster Truck, hein. On y a joué... 10 minutes. Non, on y a joué combien de temps? On y a joué genre... un quart d'heure. On a donné ses chances, hein. On a donné sa chance. Attends, mais tu peux faire une tour de bois genre infinie? Insane. En vrai, ce jeu est stylé. Non? Imagine, tu joues avec tes potes. C'est marrant. On pourrait jouer. Mais mec, si je joue avec Marine à ça, on se sépare à la fin de la soirée. Hein. Il faudrait qu'on fasse des streams avec Marine le soir. J'avoue qu'il y avait A Way Out qui était sorti sur Steam. Là, ça s'est mieux passé, je trouve. Hein. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête ce Yoshi, ça marche pas là. Faut faire le tour. Attends, mais on est mort parce qu'on a pas assez de pierres. On est mort les gars. Il faut récupérer la pierre qui est en haut. On est mort. Vite. Mais on aura pas assez dans tous les cas. On va faire que un bloc. Oh oui, le génie. Pousse-toi, pousse-toi. Ok, vite, 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 sors, vite. Laisse faire les pros, vite. Vite, venez récupérer ça. Vite. Oh non, on peut pas perdre. Non, on a perdu. Pause le train, y'a personne qui a fait la pause du train, quoi. C'est moins bien qu'un Overcooked. Bah je sais pas, j'ai jamais trop joué à Overcooked, je t'avoue. Mais c'est dans le même style en tout cas. Ça marche pas la pause. Ça se moque, hein. Petit sou. Bon, en vrai, j'ai commencé ce jeu avec un certain non-respect. Mais c'est sympa, hein. En vrai, c'est sympa. Après, le prix... Voilà. Le prix est ce qu'il est. 16 balles, je crois, sans promo. On a le temps... Vas-y, on en refait un petit. Il est quelle heure? 11h30. Faut que j'arrête à 45. Est-ce que ça vaut le coup? Reconfigure la partie. Vas-y, go reconfigure la partie, j'avoue. Pour une autre seed. Just do it! Make your dreams come true! Après, Overcooked, voilà, hein. Moi la nourriture ça me parle quand même plus. Hein. Ah, mais il y a des modes de jeu différents. Lance arrête que je banque mes doudouflouzes. Affrontement.
Allez, maintenant on est pro, on go en difficile. Let's go. Je lance le raid juste après. Donc cet après-midi, on continue la découverte de jeux. Je pense qu'il y a encore un slot pour un jeu. Hein, si jamais vous voulez vous avez encore une demande, je pense qu'on peut la caler cet après-midi. Dans tous les cas, elle n'est pas perdue. Hein. Rappelez-vous qu'elle n'est jamais perdue. Les demandes de Doufouz hein, en jeu. Thank you. Bon appétit Camembert. Merci encore pour les 100 bits. Affrontement ouais ça pourrait être cool ouais. Mais franchement le jeu est pas mal hein. Après voilà le prix je suis pas sûr 15 balles Je pense que ça vaut le coup si t'as des potes avec qui jouer quoi. Parce que en vocal à plusieurs entre potes ça va bien être éclatant. Et je pense que c'est un jeu qui peut créer du conflit aussi hein. Max de rush. Je vais ramener la pierre là-haut. En fait, attends, je vais faire ça, ça. Y'a le feu! C'est bon, je vais chier dessus. Et après, on a fait n'importe quoi sur l'amélioration des. Sur l'amélioration du train aussi, j'ai fait Nawak parce que je connaissais pas le jeu. Mais maintenant, je suis un expert. Je mets la hache à côté de la gare. Oui, oui. Ah non, je suis coincé. Ça, c'est bon. Elle est où la hache? Elle est où la hache? Elle est où la hache? Elle est à droite. Vite Yoshi, viens m'aider! Attends, ne me dis pas qu'on meurt là. Ouh. Oh, y'a des vis en bas à récupérer. En fait, faudrait faire en sorte que le train perde du temps. Pour qu'on puisse récupérer les vis en bas pour avoir de meilleurs upgrades. Mais tu vois, je veux dire, y'a une vraie replay value sur le fait d'améliorer différemment ton train, etc. Enfin. Tu vois? Bah c'est bon, on a le temps de récupérer la vis, un peu bourré. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau Shir, Valmanus. Oh Valmanus, ça fait longtemps. Coucou Valmanus, comment ça va depuis le temps? Avec ses petites pistaches à côté de ton pseudo, incroyable. Hein. On aime les pistaches ici, je m'en trouve encore coincé comme un gland. Et c'est moi qui ai la hache, j'ai rien dit. Tout repose sur moi, bien sûr. Comment va Valmanus? C'est un moment qu'on t'avait pas vu. C'est gros moche, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. C'est dommage, il était cool. Il avait toujours le mot pour rire, la bonne blagounette. Bon bah voilà. Et là du coup on va avoir une vis bonus, une ou deux, j'en sais rien. Non non parce que je le vois sur des streams, je l'ai en ami sur Twitch, arrache tout. Et je le vois sur d'autres streams, connecté régulièrement, donc il est là. Hein. Alors du coup on a deux vis, pourquoi on a que deux vis? Pourtant on a récupéré les trucs bonus en bas. Petite musique d'ascenseur. Stop le train pendant un court moment. Mais ça du coup c'était pas clair hein. Foncez dedans pour le charger. Ah mais parce qu'on faisait pas ça en fait tout à l'heure Yoshi, c'est pour ça. Pour Opti faut ramener un max. Ah parce que ça se garde. Ça se garde de terrain en terrain Biggie, j'avais pas capté. Augmente votre force pour chaque animal que vous apportez. Après, il y a des stockages de liquide et tout. Mais en vrai, je pense que. Avoir plus de stocks, c'est quand même important. Hein.
Je pense que le stock c'est important. Donc ça c'est quoi? On est d'accord que c'est l'upgrade hein. Oui, amélioration de wagon, c'est ça. Et on pourrait économiser hein. Ah non mais ça ça augmente les stocks aussi. Et ça donne de la vitesse de fabrication. Ok, je pense que les deux là en fait ils sont must have hein. Alors je pense qu'on est bon hein. Hein. Ah mais du coup c'est terrible là. En fait tu peux, ouais c'est ça ouais, tu peux vachement mieux enfin, tu peux prévoir tes moves pour le next truc. Bah ok j'ai compris. Ok ok il a compris. C'est marrant qu'on se bloque. Non tu vois franchement je suis parti en mode mauvaise langue sur le jeu mais en vrai il est stylé hein. Franchement pour l'instant les meilleures découvertes c'est Everspace et Unrailed. Le Star Trek c'était voilà douteux. C'était un peu le jeu du trolling, c'est pour ça que je l'ai remboursé hein. Celui qui a suggéré ce jeu là n'a pas dépensé ses points. Il faut plus de bois. Attends mais il y a les petits connards là qui jettent nos ressources là. Attends mais il faut casser de la pierre là. On a plus assez de bois. Ah putain il est là-bas le bois en fait, il est déjà accessible. C'est qui les deux bolos qui se baladent? C'est Biggie et Yoshikill. Et moi je suis pas un des Peace Man. Ah les deux bolos tu parles des deux noirs. Ah bah je crois que c'est... Pardon. Putain, ah là là, tiré hors du contexte, voilà, excuse-nous hein. Je pensais que tu parlais des deux autres joueurs. Enfin je sais pas de qui tu parles en fait, mais excuse-moi. Streamer en roue libre. Ça peut porter à confusion hein. Ah merde, il faut du bois pour faire un passage. En bas, vite Yoshi, va chercher le bois, faut faire un passage. Faut faire un passage en bas, vite. Les bots, ouais, c'est des connards qui viennent jeter des ressources. Je vais encore me faire time out. Il y a une vis en bas. Ah oui, il y a une vis en bas. En fait, faut bourrer le bois, vite. Non mais Yoshi, pourquoi t'es passé par là? Mais Yoshi, pourquoi t'es passé par là? Attends, mais on va où? On va dans le mur là, what the fuck? Ah, c'est pas clair là. Oh là là, oh là là. Oh mais mec, je sais pas où on va, mais là on va dans un cul-de-sac hein. Il nous faut vite du bois, vite, vite. Ok, attends, je prends la pioche. Ok, je creuse le chemin. Y'a le feu. Mec, c'est mort. Mec, c'est... Oh, merde, t'es tellement sous pression. Oh, c'est con ça. Mec, t'es trop sous pression sur ce jeu là, et tu joues une heure à ça, tu fais un AVC quoi. Ok, je suis coincé. Je peux rien miner, c'est la fin. Je pense qu'on était pas prêt pour le mode difficile. Oh oui! Putain, mais je peux pas vous aider, j'ai rien à casser ici. On est coincé, on est mort. C'est la fin.
Je Monster Train, ah bah ça, on le connaît grâce à la Miss Parties, hein, mais j'ai pas joué moi-même, donc on testera Valmanus. Je fais grève. Incroyable. Bon, pas mal ce petit jeu, hein, au final. C'était sympa. C'était sympa. Allez, on va s'arrêter ici, les gars, pour ce matin. On termine la session de stream. On revient. Alors, le programme, c'est quoi? Je vous explique le programme. Cet après-midi, on continue les jeux qu'on a à découvrir. On a encore des jeux à découvrir pour cet après-midi. Et ça, c'est quand même la folie. Je vous mets une petite musique de piano pour vous détendre, parce que là, je vois bien que... Non, mais en vrai, Yoshi, c'est sympa, hein. Donc, cet après-midi, on continue la découverte des jeux. Et le programme pour demain, ça sera du Cartel Tycoon, un nouveau jeu un peu à la Tropico-like. Et après, ça sera Prison Architect pour demain. Mais cet après-midi, on continue ça. Je vous invite à rester sur le live, parce qu'on va raid quelqu'un, afin que vous ayez plus de douflouze pour avoir encore plus... Tu vois, là, il y a eu le truc qui s'est affiché, Rachetou. On va raid quelqu'un, comme ça vous aurez des bonus de doudou flouze pour pouvoir voilà, briller en société. Mais écoute, je pense qu'on peut re-host Kofefe, hein. C'était une bonne découverte, ce petit streamer, on aime beaucoup. Donc on va le re-raid. Bon appétit, messieurs. Et je reprends le live vers 13h30, comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre la chaîne, hein, s'il y a des nouveaux. Avec plaisir. Et on va aller dire bonjour à l'ami Kofefe. Et voilà, bisous.